Penser. Moi, c'est un tel, mais je préfère Minecraft. J'ai le truc de Silas, c'est bon jamais. Et je les petits c'est pas comme si j'avais deux stats. Et re. Et je parle avec Agou. Voilà quand j'ai dit ça, Carmé. Oui, Carmé. Attends, Carmé. Quoi? Je répète, du coup, vu que t'étais pas là, je vais seulement regarder les strats maintenant. Va te faire foutre. Quel officier foireux. Si, faut que je regarde le cinquième boss parce que j'ai pas tout regardé. Je comprends. J'ai regardé jusqu'au quatrième. J'ai regardé jusqu'au quatrième aussi. Hey, le ce soir on clean le NM. Le ouais, truc sous l'eau là, le boss sous l'eau, il a l'air d'être bien foiré. Ouais. Je comprends pas la quête. Quelle quête? Je dois fouiller. Mais c'est le laboratoire. Je sais pas, il y a un truc qui est en surbrillance où je peux rien faire avec. Et un autre endroit où ça me met qu'il faut que je mette une l'arcano-cristal. Je dois placer un arcano-cristal. Et je le trouve pas, cette pute. J'ai rien dit. Tu cliques sur un hôtel vide, normalement. Mais je le trouve. Mais je peux pas cliquer dessus. Fais une déco. Fais une déco-reco ou cherche un peu plus loin dans la salle en général. Mais en mode red, c'est pour ça. Taille. Bonsoir. Oui, c'est salut, vrai. Salut. Oh, j'ai oublié encore ce truc.
Mais normalement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Être en mode raid, tu peux faire les quêtes. Non. C'est les expéditions que tu peux pas faire. Eh, vous vous trompez entre les deux. C'est vrai, ouais, en fait, j'étais déjà en mode raid quand j'ai trouvé le... Non, justement, tu peux pas faire les quêtes, mais tu peux faire les expés en mode raid. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, parce que, étant donné que j'étais déjà en groupé quand j'ai trouvé le laboratoire, et le ça me l'a compté. Enfin, il y a certaines quêtes, t'es bloqué aussi. Hein. Oui, ça a toujours été le cas, en fait, depuis que WoW existe, et les quêtes, faut quitter le mode raid pour en faire, normalement. Sauf si c'est des quêtes de raid. Ah, mais c'est peut-être parce que ça va la déphaser, en fait. Et les expés, au contraire, il y a des expés en raid. Parce que tu vas peut-être avoir une cinématique, des trucs comme ça, ça va peut-être te déphaser pour dire de pouvoir être dans un truc. Enfin, ah. Oh, chiant. Moi, dans tous les cas, faudrait que je revienne un jour. Un jour, peut-être. Peut-être. Du coup, on peut rentrer dans le raid sans problème. Bah, il faut qu'il y ait deux personnes qui aillent. Il y a Jinam qui est. Je suis avec Jinam, mais il est pas sur le Discord pour l'instant. Mais je suis avec Jinam devant l'entrée du raid. Bah, moi, de toute façon, du coup, vous pouvez flipper, c'est bon. Par là-bas, là en haut, je suis jamais allé donc. Bon, je vais aller chercher ma hun, comme ça je rejoins Jin et on peut TP. Hey, les pièces bentiques, là, les améliorations, on peut les monter jusqu'à combien, max 430 425 pour l'instant, je crois. Hein. Là, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Coucou Dragon, ça va et toi? Mais ça coûte vite cher en fait. Hein. Ouais, bah là je suis à 415, le prochain rang c'est 50 paires. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ouais. Mais après, il y a des bonnes pièces. Hein. Mais en fait, il y a des pièces qui sont même bis en fait pour le raid. Enfin, je sais pas, en fait, pour ma classe, moi je sais qu'il y a des pièces. Ouais, avec des talents bien spéciaux. Ouais. Et avec des passifs qui font du dégât, quoi, tout le temps. Ça. Et voilà, je pense que ça, c'est salut. Pour le raid. Salut, salut. Oh, il y a des gens que je vais devoir descendre sur Discord. Moi. Oui. Comment ça? Non, il y a trop de nouveaux là. Oh. Oh ouais, non. Ça va pas, c'est quoi ces pseudos qui a rallonge Prime Faya, j'aime ma GM. Ah, mais ça c'est parce qu'ils ont fait de Carmi. Voilà, ça c'était dimanche. Ah, c'était ça c'est les gens qui viennent pas aux events qui sont organisés et qui débarquent après. Voilà. Je vois pas du tout. C'était pas le bonjour. Et donc, normalement, je dois garder ça jusqu'à dimanche prochain. Voilà. Avec Prime. Allez, puni. C'est quoi qui s'est déroulé? L'anniversaire de la guilde. Bah avec Shadow, on a tout cassé, quoi. Grave. Hop là, Vincent, t'as cliqué? Bah, en gros, il y avait un petit jeu de piste avec un petit peu de PVP derrière. Je suis juste. On m'a mis la branlée à taille et à bas. Pour une fois, qu'ils ont pas gagné. Allez, dis-moi. Allez, Renaissance, dis-moi que tu vas l'avoir. Je te le dis si je le vois, pour l'instant rien. Bon, pour l'instant, Zetsu, ça va arriver. Oui, je l'ai. Vas-y, accepte maintenant. Ouais, t'es là, c'est cool. Non, mais Zetsu, il fallait pas me le dire. Remets ton pseudo sur je Discord. Nage. Allez, rentre dans le. La dans gueule le ouais. Ah non, je te focus dimanche, c'est bon. Je sais pas pour rien. Attends, on va mais c'est bon, j'étais pour Renaissance. Je vais voir ça. En tous les cas, l'entrée du raid, je la trouve sympa. Ouais. Il y avait de la trahison dans l'air, je veux pas. C'est de la triche. Il y a eu de la trahison dimanche, il y en aura encore jusqu'à dimanche. Rien du tout. On avance. On m'avait trahi. Bon, bah, a priori, on a tout le monde. Coucou. Ouais, si on peut. Merci, ouais. Même pour le petit coup de vent. Ouais, c'est bon, il y a Renaissance dans le raid. En cours. Je vais faire ta fin pour voir ça. Coucou Miyotsuki aussi. Ah ouais, toujours marrant. La preuve là, c'est le bordel total. Allez, hop, on déco et on reprend l'autre perso. Oui, oh là là, c'est le bordel. Ah, n'empêche, il y a les deux casus qui sont revenus, quoi. Oh. Dragon, chômage. On parle de nous là ou. Je sais pas de non, qui. Non. Ils se reconnaissent de toute façon. Après, si tu te reconnais tout seul, c'est pas mon problème. Oula. Il y a bordel à la maison. Bon, on est un peu casus aussi, hein. On est parti des jours, hein. Ah, effectivement. Après, on était parti, mais pas longtemps. Ah, y'a plein d'ades là, ça à faire en vrai. Après, toi, ouais. Y'avait pas raid. Mais le boss c'est pas loin quand même, hein, en fait, on verrait. Bah ouais. Y'a plein d'ades, y'a plein de trash loot à pouvoir se faire et à vendre là pour ce soir. Ah, surtout ça, ouais.
Aïe aïe aïe. Les thunas sont plus chanceux, j'ai envie de dire. Ah, tu verras, mais. Tu veux refaire des rentes, Zetsu? Tu veux encore la dernière fois, j'étais juste avec thunas. Là, c'est toute une bille. Bah, arrête, dimanche, t'as perdu. Que des malades mentaux. Flash round, 5000. Allez, go. Allez, 3. C'est bon. 2, 1. Tu peux enlever la hante. Allez. Ouais. Allez. Eh, je l'ai pas fait. Merde, attends, non, je l'ai pas fait. Ça compte pas, t'as triché. Ça compte pas, il l'a pas fait en fait. Ah, ça compte pas, tu l'as pas fait à l'écho, paye-moi. Eh non, 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 il manquait non, quelqu'un, il y a même pas eu les plus 1, il y a des règles très précises hein, normalement. Bon, vas-y, lâche 35 000, allez, go, go, go. Non, non, eh, viens par ici, toi, Kabou, viens par ici, Code, vous avez Rand, hop, hop, hop. Rien du tout, t'as attendu longtemps, gros, t'es ouf, toi. J'étais pas sur la page de WoW. Oh, bon. Axana, bah. Axana, il vient ou quoi? Fais chier, lui là. Moi, je dis que c'est annulé, hein, je veux pas casser la ouais, l'ambiance. Non. Pour moi, il faut que ça soit dans les règles, sinon c'est pas marrant. J'avoue, ah. Là, non, c'était pas dans les règles, tiens. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai que c'est on doit tout donner à merci. Quelqu'un qui donne après des trucs. Ouais, normalement, on donne tous à Crollo. Hein. De quoi? Non. On suit tout, ouais. Après, s'il manque un ou deux PO, bah c'est pas grave. Hein. Ouais, non, justement. Rien du tout. J'ai vendu qu'un. J'ai volé qu'un PC. Comment on a été une pièce de cuivre. Pas Kaiko, je crois. Par contre, qui n'a pas été groupé. Je crois qu'il manque que Axana. Puisqu'on est vers un guide et Jean Papy, malheureusement, il a pas le. Axana c'est qui ça, Axana? C'est à nouveau. C'est à nouveau. Oh, ouais, mais non, mais les gars, je vous ai dit. Y'a même pas une petite vidéo quand on arrive. C'est nul. Il y en a qui en a pas. Sers-toi vite. Pour pas oublier. Pourquoi tu j'ai quitté après? Ce qui part avec la fortune. Bah, comme ça, tu pars avec un million de PO. Ah bah bravo. Et le dernier ouais, TP. On en fait un vrai là. On en fait un vrai. J'ai 35 ans. Enfin, ouais. N'oubliez non, pas de prendre des pierres de soin. Les ça, gars, prenez la pierre de soin que le puits ne serve pas à rien, s'il vous plaît. C'est le seul de la soirée que je mets. Maintenant, je recharge très très loin. Maintenant, vous vous démerdez. Puis on est 4, 5. Je vais vous faire un DBM pool. Pour le round ou pour les trash? Pour le round. Et après, on se concentre un peu. Taille. Ouais. Oh, allez, ouais, ce soir on utilisera les vieux chaudrons Crollo, donc y a pas de soucis. Taille, il veut se venger. Hein. Ah, mais il manque Maui. On en refait un. Ouais. Il est où Maui? De toute façon, on est 23 îles. Il a refusé? Ah, oui, il a refusé. Il a refusé à 8 ans. Ah, ouais. Ah, merde. L'event il était pas verrouillé. Ah si, je l'avais verrouillé ce matin. Non, tu l'avais pas verrouillé ce matin parce que moi la dernière fois j'ai mis accepter, tu t'avais mis un message sur le Discord et j'ai remis accepter derrière, tu vois. Je sais pas, j'ai mis verrouillé ce matin. Peut-être que la mise à jour c'est mal faite, moi bon, c'est pas grave. Il a rien dit, mais oui. C'est ma faute. Bah, les go les trash les gars. Ah, il faut 4 millions quand même, les élites. Eh ben ouais, faut bien qu'il. Faut bien qu'il... Il a répondu. S'il y a besoin d'un autre. À 20h04. Je suis là, hein, s'il y a besoin d'un autre. C'est parti. On va essayer à 3 îles, c'est que du normal. Si jamais ça passe pas, on a de quoi faire pour avoir une 4ème île, y'a pas de soucis sur ça. D'ailleurs, c'est comme Osiris, je crois qu'il s'est pas réveillé. Effectivement. Donc voilà, oui, ça va changer. Ouais, il, en ce moment il est ultra crevé le soir. Bon, du coup, on va quitter l'Alliance et la Horde pour aller tout droit avec des nagas. Hein. Non, c'est pas rien du tout. Non, mais... j'ai rien vu de toute façon, mais disons qu'on va faire beaucoup de nagas pendant de longs mois. Je sais pas qui ça chante sur ces touches. Kaiko, juste micro. Push to talk, s'il te plaît. Le viens là-bas ou pas hein? T'es pas obligé de le mettre dans ton cul. Hein. Ok. Oh. Juste baisser la sorcière. Oh, là, là. Une minute pour l'attendre, me mettre un peu plus cool. Tu dis que ça parle de trucs dans le cul. J'avoue, on crache un peu ce soir-là, les gens.
T'as vu ça, franchement? Attends, 5 minutes. C'est pire, hein. On nous insulte, après on dit qu'on n'a pas à dire à la vieille qu'elle est vieille. T'as, ah, pas, t'as, pas, encore été dit. T'as pas encore été dit, chut, chut. Il serait Zet le boss? Aucune idée. Attention. On peut tester. Zetsu, moi j'ai dit un truc à Carmé, hein. Elle enlève le, cette petite règle là, enfin elle met cette règle, je suis plus Red Leader. Hein. Ah non, je te fais une petite on n'a plus le droit de l'appeler mamie. Hein? Encore une vieille qui assume pas des vieilles. C'est, non, ça. Voilà, c'est ça, hein. D'accord, mais. Concentre-toi, sinon je te clique. Fais gaffe. Je suis concentré, moi. Ah non, tu parles trop. Je te vois pas au DPS. Bah, et pourtant, je suis presque à 30 qu'à Constant, je suis. Ah non, bah, moi je vois un DH, puis après un rogue, puis après je vois des mages. Si tu veux, Carmé, prochain pack, je claque le verse. Ouais, mais dans ce cas-là, faut faire un gros pack. Et là, faut te dire, j'ai pas mis mes dots, hein. Là, je suis en train de DPS Vanilla. Monotope Météor. Non, j'ai pas mis mes dots. Je me fous pas de ta gueule. Ouais, sur le detail c'est marqué que t'as 600, 617 000 de dégâts avec tes dots, mais t'as pas mis tes dots. Bah, je les ai pas refresh. Je les ai juste mis une fois. Par contre, tu aurais pu ne pas partir à droite. Non, mais on va essayer d'en faire un peu plus, quoi. Il veut nous faire plaisir. Bah oui, il veut mettre bien. C'est la famille, lui. Oui, sauf que les dots aussi. Ça multiplie par deux. C'est des défaits, les gars. Dis petite question comme ça, t'as mis ton burst? Non. Non. Ça va, 50k HPS, NP. Tout va bien. J'ai pas du tout claqué le burst. Ouais, toi aussi. Enfin là on est 45 à chaque fois. Attends, je regarde tes fails quand même. Quand même. Les mages, vous pourrez nous claquer une table s'il vous plaît? Je l'ai mis sur le côté. Juste pour voir. Désolé. Ah oui, j'ai pas vu qu'elle avait changé. Normalement, Rivette. Hein. Alors est-ce qu'on peut reset? Oui, Rivette. Par contre, elle met très vite les marques. Hein. Ouais, c'est normal ça. Il faut nettoyer la salle ou pas? Non. Non, non, sinon ça aurait appelé. La salle, de toute façon, la salle du boss, c'est que là où au-dessus, là, au-dessus des escaliers. Du coup. Et ouais. Et après? Parce que si on peut profiter du reset du boss pour claquer plein de BL et défoncer les AD. Ouais, mais ça on verra plus tard si j'ai m'en fait une optique de vraiment trash loot et tout, quoi. Mais là, y a pas besoin en fait. Du coup, le boss, en gros, bon, on va être séparé en deux groupes, hein. Givre et poison. Donc, si vous avez le givre, vous allez avec les gens avec le givre. On va mettre le givre à droite, le poison à gauche. Pendant le combat, on peut changer de couleur, donc faites attention à ça. Ensuite, écartez-vous du raid. De temps en temps, on va être éjecté. Et quand elle va lancer des flèches, il suffit de pas les prendre dans la tête. Et de temps en temps, elle va cibler une personne. Il va y avoir une grosse flèche qui va partir sur elle, de la couleur opposée à la sienne. Bien sûr, donc les cacs, si jamais vous pouvez. Imaginons, donc elle cible quelqu'un côté glace, elle va faire une flèche de poison. Donc quelqu'un avec l'affinité poison prend la flèche, ça évite que ça fasse des dégâts sur le raid. Parce que si jamais donc poison et glace se mettent ensemble, bah, ça fait des AOE sur le raid, donc, tout simplement. C'est magnifique. Sur la vidéo, on voit pas bien, il y a juste à se mettre devant le mec en fait pour prendre la flèche, c'est ça? Ah, les biscuits là. Ouais, ouais. Voilà. Hop là. Après, est-ce que vous voulez vraiment faire les trash loot ou pas? En soi, c'est. Non, mais moi, c'est une question, après, je m'en fous. Non, mais voilà, non, mais justement, non, mais c'est justement, on demande à tout le monde en fait. Bah, de toute façon, c'est la première soirée, autant tenter. Non, normal. Y a pas de risque d'aggro, de toute façon. Du boss, non. Bah, non. Allez, go faire les trash, allez, go, go. De toute façon, voilà, je réexpliquerai pas après, et on fera le. Et on commencera le combat. Contribue au. C'est quoi le go BL? Go BL, ouais. Parce qu'on pourra reset sur le boss. Comme 415. Ouais, 415, ouais. Ouais, 415, ouais. 415, 430 et 445. Ah oui, donc c'est vraiment la fête du stuff, quoi. Ouais. Du moins, il y a des trash sur le avant le premier boss.
Oh, à la rigueur, il vaut mieux farmer les crafts en héroïque. Oui. Hé, Carmé. On centre-toi. Si on arrive à clean, on pourra y aller en HM pour faire les. Oui. Les trash. On cleanera pas ça. Y'a combien de boss? 9. Et 8. 8. Et la plupart des guildes ont mis entre 2 et 3 heures pour le clean. Les guildes US, c'est que j'ai vu. En tout cas. Il n'y a qu'un seul boss où la strat, ben je l'ai pendu comme ça sans avoir presque dead, c'est Ashara. Quoi. C'est la seule qui apparemment était trop différente sur les différents tests. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression de revenir dans la caverne du sanctuaire du serpent. Hein. Non, pas bah, je l'ai jamais clairement. Fait donc. Ouais, premier boss, j'ai les éléments terre-tombe. Ragivre, bon, avec des nagas, bon. Ouais. Ouais, c'était. Ouais, mais. Un maiden perso. Espérons qu'on a l'autre au moins. Qui est dans l'eau, regarde, le deuxième boss qui est dans l'eau, ça te rappelle pas celui qu'on devait pêcher? Bah, si, un rôdeur d'en bas. Voilà. Enfin, après, c'est le deuxième ou le troisième, je comprends pas en fait pourquoi. Parce qu'on peut choisir a priori. On reset d'abord pour récupérer. Ouais, on va faire reset le boss. Attendez avant de poule parce qu'il reset très vite. Je fais un gros coup. On attend que tout le monde soit là. Ouais, vas-y, go. Je vais prendre tout. On va espérer quand même de. Loot un petit peu quand même, ce serait bien. Et sur le boss, ça sera BLO pool d'ailleurs. Je me régale. Ah, Fira. C'est lequel qui vient? Le gros. Je me régale. Je crois que c'était Gorèche, mais je suis pas sûr. Ah, c'est un Emid. Ok. On saura pour la prochaine. Petit totem de antifier. Ah, oh, Ivy, tu t'es fait plaisir, hein. Ça va. Ah bah, sans cas. Avant le fir, j'étais 120. Bon, bah, ça aura pas looté grand chose, et c'est trash. Hein. Il n'y a même pas de trash loot dans le raid. C'est ça. Non, si, il y en aura, mais peut-être pas sur cela. Allez, on va reset le boss. Et juste après, tu mettras le chaudron. Attends, il n'y avait pas tout le monde. De toute façon, ça reset hein, pour tout le monde. À partir du moment où ils sont tout proches. Ah bon? Ouais. Mets le chaudron en haut des escaliers. Tout le monde a DBM ou c'est une interface de haut qui fait les symboles? DBM. DBM, ça. Oh, Big Wheat aussi. Ouais. Plus ou moins vers le carré. Hein, bien sûr, pas paquet, bien sûr. Vers le poison. Et vas-y, mets le chaudron là. Ah, tu l'as mis en bas. Okay. Merci, Dragon. Gros bisous, bisous, bonne nuit. Merci d'être passé. Et n'hésitez pas à en prendre un deuxième et vous le buvez, vous en reprenez un. Allez. Par contre, c'est beaucoup plus rapide pour avoir accès au boss, beaucoup moins pénible. Ouais. Oh, à la tombe, c'était rapide aussi pour le premier. Ouais, mais à la tombe. C'était à l'extension d'avance. Oh. Donc, ensuite, les tanks, vous échangez tous les X, je sais pas combien. Donc, de ce fait, nous les cas, on reste bien avec les tanks. Par contre, alors. Vous restez au CAC dans tous les cas, mais faites gaffe à vos symboles en fait. Si vous êtes givre et poison, de pas vous marcher dessus quoi. Ça marche quoi, tu me dis? Tiens, c'est pour toi s'il te plaît. Les petits coffres. Je
je t'avoue, moi je les ai vendus. Ouais, mais je savais qu'on allait raid ce soir, donc je savais qu'il y avait Spooky. Ah, les Spooky, tu regarderas ta boîte, je t'en ai renvoyé aussi d'autres. Ah, bravo. C'est le rock de la guilde. Bah grave. Bah si vous m'aviez dit, j'aurais qu'au ma rogue aussi, hein. Vous êtes nul. T'as assez de crochetage pour faire cela? Je sais pas. Ouais. Par merci. Contre, Jean, t'es oui. pas obligé de mettre les signes aussi loin. Oui, non, mais c'était faire en sorte que... Pour mettre les symboles droite et gauche, c'est tout. C'était juste ça. Et soit il y en a pas besoin. Devoir soak, Oui, non, bien sûr, non, mais tout à fait. Mais, En gros, le boss il sera au centre et le carré sera là, si tu veux, et le triangle là. Plus proche encore, tu peux faire plus proche. Oui, non, mais c'est juste un ordre d'idée pour que les gens. Code, c'est bon du coup? Ouais, c'est bon ça. Eh ben, on est parti, premier boss. Allez, go. 5, 4, 3, 2, 1. D'ailleurs, j'ai inversé les couleurs, mais bon, vous avez compris. La glace à gauche. Par moment on aura un debuff, faudra juste les mettre derrière. Hein. Pour éviter de laisser les zones au sol. Sur le barrage, les flèches. Et les flèches. Si jamais vous êtes comment dire? Vous avez la. Il y a une flèche qui tombe en façon inversion. Changer de nouveau, sans passer sur les copains. Au barrage. Si jamais vous avez des. Comment dire. Une flèche, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le copain qui est empalé du coup. Les inversions. Ça se nettoie pas les zones au sol par hasard? Non, non, ça reste qu'à la fin. C'est pour ça qu'il faut bien les poser. En plus, on n'a pas de chance. C'est qu'on a tous les heals côté givre. Il nous faut un givre devant. Ouais. Merci, c'est bon. Inversion. Je peux pas bouger. Moi
Moi je peux, je triche. Mais côté poison, si vous pouvez venir dans le verre. Tu quoi cette blague? Ouais. Par contre, c'est peut-être une blague, mais qu'est-ce qu'il est long. Allez, il y a déjà des deux guerres, les cochons. Mais par contre, c'est en héroïque du coup qu'il faut bouger en glace là pour éviter d'être. Ouais. Tout à fait. Et de bouger en poison, c'est en héroïque. C'est sympa les armes quand même sur le premier boss, hein. Les épaules là, elles sont. Quelqu'un en veut? Enfin, Barbas en veut. Je peux pas te les donner, donc si tu veux, je te les donne, mais je peux pas te les donner. Ah, tu peux pas? D'accord. Bah non, moi j'ai que du 405. Ah oui, d'accord, ok. NP, NP. Bon les gars, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez aller vers le poisson ou vers Dame Corsandre? Ah non, le poisson, il est relou, hein. Ah ouais, bah, de toute façon, il faudra bien le faire. Hein. De toute façon, il faudra faire les deux. Au poisson. Comme ça, ce sera fait. Pour un premier boss facile. C'est comme dans tous les raids, le premier. Voilà, en héroïque, il y a juste un truc qui change, c'est en glace, tu dois bouger, sinon bah, tu prends des stacks supplémentaires, etc. Et en poison, si tu bouges pas, bah, au bout d'un moment, bah, t'es stun et compagnie. Commence à expliquer les 2-3 points. De quoi, faut bouger en poison? Hein? Faut bouger en poison ou faut pas bouger? En poison, ouais, il faut bouger. En poison, faut pas trop bouger, justement. Non, c'est le contraire. Ouais, non, c'est le contraire. Je comprends avec les deux. Tu peux bouger un peu, mais pas trop, quoi. C'est comme avec la crise cardiaque sur le donjon de mort, là. C'est ça. La fée. Ah, là aussi, on peut loot des pierres volcaniques de mes couilles. Eh ben, quel langage. Bah si, mais je crois qu'il y a un pet qui a bugué derrière. Bon, le poisson, si jamais vous faites mal les choses, on pourra heal que les tanks. Non, c'est si jamais on fait bien les choses. Non. Tiens, Jim, tu parlais des pierres volcaniques, là, on les utilise où ces trucs-là? Laboratoire de Marc Divas. Ça sert à quoi? Gagner 550 de répute chaque semaine. Sérieux? Ouais. Enfin, 500 de répute chaque semaine. Et 550 avec le buff de sombre lune. Faut les farmer ces trucs là. C'est par là, les gars. Dans la flotte. On va utiliser une par semaine, quoi. Ouais. Ah, ça va, on va vite dans la flotte. Oui, on fait ça bien quand même. Attends, on est sur quel boss là? On n'est pas sur Quaskai. Et bah là non, pour l'instant on n'a pas encore choisi, mais on n'y est, est pas encore. Il est sympa ça, elle, allez, on... ouais. Visuellement, ouais, c'est sympathique. Ouais. On part à droite. Ah, t'as sauté au milieu, Axana? Ou t'as pris des trashs? Il était en vol. Oh, il a repris. Attends, on va faire ça. Hop. Je suis planté. Eh, mais attends, Easy. Hein? Tu l'as pas, toi, la relique qui fout l'épine sur un tank? Non. Ah, comme ça, les tanks pour ça. C'est moi, la seule relique que j'ai, c'est le truc de début là. T'aurais dû essayer de faire dans la journée Mécagone quand même, pour essayer de la looter, la relique. C'est long quand même, Mécagone à faire. Non, en vrai, c'est rapide, je l'ai fait en même pas une heure et demie. Hein. Ouais, à condition que tu sois pris dans les groupes apparemment. Ouais, avec la U-level qu'on a, tu peux plus être pris, c'est ce qu'il y a. Ah bon? Eh non. Bah dis, ouais. Ça à Carmé, tiens. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est Carmé. Bah ouais, c'est que t'es avec sa hunt ou sa moine? Avec sa hunt?
Ah ouais, mais voilà, c'est ça. Hein. Les levels, elle a pris. Elle est le même level que ma moine, hein, donc. Non, vous êtes pas assez haut. Hein. Le gars, apparemment, ce qu'elle m'a dit, elle a pas le Rio assez élevé pour y aller. Non, c'est pas le Rio, c'est juste en fait. Non, c'est ce que les gens ils m'ont sorti. Allez, mange le fait de pas leur mythique plus. Non, mais attends, pour du mythique. Tu level, Carmé. Pour du mythique 0. Pour du mythique 0, mais zut quoi. Mais c'est du 415, Carmé. Non, mais je m'en fous, c'est ce que les gens m'ont dit. Bah oui, mais mange le pas leur mythique plus. Ça vous apprendra, va. Faut un minimum quand même. Un minimum, je suis désolé, mais pour du mythique 0, je vais pas non plus abuser. C'est n'importe quoi. Bah désolé, mais quand tu regardais sur Légion, déjà quand le dernier donjon est sorti là, Triumvirat, tu vois la difficulté en MM0 malgré le fait que les gens avaient de la high level, il y en a plein. Moi je l'avais fait dès le début et j'avais eu aucune difficulté hein. Que t'as eu de la chance. C'est vrai qu'il était chiant Triumvirat. Quand tu tombais sur des bons groupes, oui, mais c'est pour ça les gens maintenant ils sont habitués. Bon, je vous conseille de pas libérer si vous mourez, sinon vous revenez à l'entrée, c'est un peu chiant. Je crois qu'ils ont pas compris les erreurs du passé, Blizzard. Fait exprès. C'est pour nous habituer à vos classiques, ça. Parce que vos classiques, t'es carrément dehors de l'instance. Hein. Ouais, mais en soi... Voire même sur un autre continent. Grave. Ce plaisir de retourner dans la caverne des lamentations... Oh. Je me suis fait LBRS il y a pas longtemps là sur privé. Quand tu crèves, tu restes à perpète. Quand t'es côté Horde, ouais, quand t'es côté Ali, non. Oh, même BRD, hein. BRD, ouais, c'est la même. Si c'est pas clean et que ça repop, voilà. Quand tu meurs sur le tribunal. Ouais, non, mais tout à fait, c'est le même. C'est le même truc. BRD, c'est le pire en fait, c'est le plus long. Kabura, pardon, Kabura. Temple englouti, il est pas mal aussi. Hein. On est d'accord, t'as un silence. J'ai déjà claqué sur le pack d'avant pour silence. Il avait répondu. Ouais, il avait répondu. Salut. GG. GG. 415, Poli, mon salaud, dis-moi, t'as besoin de PO? Ouais, je dois aller me chercher mes popos. T'as besoin de combien exactement? Parce qu'on peut s'arranger, tu sais. Ah, un million, direct. Bon, un million, allez, je vais acheter quelques jetons, attends, je reviens. Attends, mais non. Ah, mais non, le poisson, il est pas passé par là, le poisson, je suis con. On s'est trompé, c'est pas le poisson là. Ah, pas du tout, même. Ça, c'est le truc d'assurance. Ouais, oh putain. Oh, moi je sors, il fait mal. Aïe, aïe. Pas grave, on va faire celui-là, écoute. Ah, c'est Radiance ça. Ouais, bon, bah, on est là, on va faire Radiance, hein. Faut aller dans les tornades d'eau, c'est sympa. Ouais, tout à fait. Ça buff, si tu veux. Ouais. Ça buff, ouais, par contre, elles sont reloues, elles te coursent vraiment, quoi. T'as beau bouger, elles te suivent. Non, sérieusement, est-ce qu'il y en a un qui a besoin de la cape? Je suis pas un connard, je vais pas commencer à aller le vendre si. Il y en a un qui need. La cape? La cape 400, le LQE. Okay. Y'a personne qui se met du fait, on dirait. Ils sont trois. Ah ouais, pour le vendre, ouais. Non. C'est pour vendre, vous oubliez, hein, vous pouvez l'éclater et basta. Oh, je l'ai dit, ça va. Oh. Ah ouais, non, toi je te connais. De toute façon, il aurait regardé en HDV, s'il l'avait trouvé en HDV 2 minutes plus tard. Tu sais, il y a des persos qu'il connaît pas. Hein. Ouais. Je veux pas dire mon land ami car on peut l'espionner au pire. Non, elle est jouée en invisible, gros. Ouais, c'est ça. J'avoue. Tu peux pas espionner. C'est qu'elle y pense pas. C'est qu'elle y pense pas, surtout. Non, c'est... Attends, je vais ouvrir des nets, comme ça y'a plus de soucis. Donc, Prolo, Cote et Carmé, vous êtes vraiment pour l'avoir? Non, moi c'est juste pour vendre, c'est pour déconner. Bah vas-y, ouais, faites un round. Non, mais je n'ai vraiment, par contre. Faites un round. Hein. Enfin, je me tape parce que je perds le bonus de pièces du truc de Desert Alarm. Mais... Il a été nerf, donc tu peux changer. Ouais, bon bah... Par contre, quand on sera éjecté, là, les gars, il faudra bien se mettre contre des murs. GG, quoi. Joli round. Joli round. Fermé. De quoi? Bah, le round. Non, mais moi j'en ai une 415 déjà. Pourquoi elle casse les couilles alors? Mais je t'ai dit que c'était pour vendre. Alors là, les gars, c'est ce qui va se passer pendant le combat. Hein. Donc, il faudra s'écarter, il faudra les dispel pour justement laisser les zones au sol et que ça n'explose pas sur les gens.
J'ai vu qu'ils faisaient une strat à 3 temps pour celui-ci, ça a bougé ou... En normal, je pense pas. Je pense pas qu'en normal, il y ait besoin. Où est-ce qu'elle est ? Ouais, il va y avoir un TP, sniper. Une fois qu'on a fini le trash. Merci. Pas de quoi. Mais ça, les bombes, faut pas disparaître instant, je crois, faut attendre un peu. Ouais, enfin, en gros, tu faut s'écarter, et une fois que vous êtes écarté, on dispel. Pour le dispel, ah, je suis trop généreux. Mais c'est le dispel, il te stun ou non. C'est quand c'est pas dispel. C'est une bombe qui te stun quand t'es dedans, normalement. En fait, le dispel, normalement, il te fait poser des bombes à terre. Oui, voilà. En fait, voilà, au bout de 4-5 secondes, la bombe, elle pète. C'est comme Elia, quoi, dans le même style. Du coup, est-ce que ça va pop ou quoi? C'est surtout ça. Putain, le Pascal, il a un item que je veux, là. T'as un chargement, sniper? Oui. C'est pour ça qu'on peut pas TTP, pour l'instant. Donc, la radiance. Donc, vous avez vu ce qu'il va y avoir, en fait, pendant le combat, grâce aux trois packs de trash qu'on a fait, en fait. Donc c'est-à-dire il va y avoir les bombes au sol, il va y avoir de l'éjection et il va y avoir les tornades. Les phases s'alternent toutes les 1 minute 30 en fait. Au bout d'une minute 30, le boss ne fait plus rien, il va y avoir un ad qui pop, il faudra défoncer l'ad le plus vite possible. Il faudra se rapprocher de l'ad très vite pour la simple et bonne raison que tant qu'on n'est pas dans l'œil du cyclone, on prendra des dégâts tout le temps. Voilà. Les pièges, donc il faudra bien s'écarter, on vous dispelle qu'à ce moment-là. Vu qu'on est 20 que 3 heals, il est possible que du coup il y ait une personne qui ne soit pas dispel, d'accord. Donc soyez Hugo, soyez... voilà. Ensuite, au moment où on devra aller sur l'AD et autres, il va y avoir des, comment dire, des petits pièges qui vont faire genre un gros trait. Voilà, il faudra juste exploser la bulle qui sera vers le boss, comme ça fait un chemin tranquille pour passer, quoi. Voilà. On fera la belle sur le premier RAD et après bah, c'est tout, pas plus que ça. On va voir un petit peu ce qui se passe et puis voilà. J'ai une question. Oui. Pour les dispels, est-ce que dans les prêtres ombres on en a un? Normalement non. Merci. Et DPS, fait pas de dispel, c'est pas besoin. Ouais, mais c'était le cas où ça m'arrivait. Ah, mais de toute façon, il faut s'écarter. Si jamais, voilà, sur les éjections, évitez d'être dos à l'eau, ça évitera de revenir de loin en fait. Donc voilà. Si jamais vous pouvez essayer de vous mettre contre le mur là par exemple, ou contre des piliers pour être éjecté, c'est parfait. Ok, du coup. Les tanks, vous devez changer. À chaque fois, vous prenez un gros dégât parce que c'est un truc qui augmente les dégâts de ouf. Je sais plus j'ai plus le nom par contre. Par contre, on reste avec les tanks tous ensemble. C'est les points des flots. Ouais, on va pas s'écarter dans tout le truc. Une fois que vous chopez point des flots, vous échangez, puis voilà. On va y aller. On reste tous ensemble, pas la peine de s'éparpiller dans la salle. Donc on suit nos tanks. Je pense pas qu'en normal on ait besoin de faire ça. Bah, t'es sûr avec les tornades et tout? Bah, comme ça, ouais, on tourne, faut avoir 5, 4, 3. 2, 1, et puis comme ça on pourra bénéficier de la ruée du druide Feral. Écartez-vous, loin du centre. On tourne vers la gauche, aiguille d'une montre. Non, normal, elle les explose, mais en héroïque, je crois qu'elle le reste, elle est... Faudrait que ça avance un peu, hein. Une puissance incommensurable. N'oubliez pas d'avancer côté gauche, les gars. Un côté, un peu loin. Les gars, venez vite côté gauche.
Il est où mon tank? Oulou, faut que tu récupères. Mais ouais, mais j'ai été éjecté avant, c'est pour ça. À chaque fois qu'on passe dans une tornade, on perd l'aggro. Ouais. Attention, les pièges. On prend juste la première et on passe après. Allez, faut vite rejoindre l'AD. Allez, à l'entrée de là où on a commencé le combat. Tranquille. Défoncer. Ah, BL pour pouvoir défoncer la cible. Faites gaffe, il y aura toujours plein de pièges. Bon, quand il y a les zones, il faut que les gens s'écartent. Pas qu'ils restent en plein milieu. Ouais. Ça va pas là. Venez dans le cercle par contre. Hein. Ouais, soyez pas à l'extérieur. Allez, et on repart sur le boss. Et par contre, tournez bien côté gauche, les gars. C'est vraiment important. Et surtout, faites gaffe aux tornades. C'est vraiment... Parce que là, on a eu pas mal de problèmes à cause de ça. Si vous n'êtes pas côté gauche, vous n'aurez pas de heal. Les tornades, c'est des trucs au sol qui pop, hein. C'est les petits trucs, les petits cercles bleus. Je comprends pas comment tu reprends l'aggro en fait. En plus, je reste loin exprès, je touche à rien, je fais rien. Je sais pas non plus, du coup, il faut voir. Il y aura une autre phase d'AD, hein. T'auras ton regain toi, ouais. Ah non. Non. Shadow sur l'AD quand on arrivera sur le... Tu lanceras tes trucs, quand il y aura l'AD. J'ai pas entendu Jean. Tu lanceras tes CD, quand il y aura l'AD, quand on sera tous paquets. Okay, pop, je sais pas où il est. Pareil au même endroit. Même endroit. Allez. On revient sur nos pas. On évite les tornades. Non. Écartez-vous bien. Allez. Ça va pour l'instant. Ouais. Ah merde. Oh putain. Echo le micro s'il te plaît. Là, on a un combat, il faudra qu'elle enlève après. Allez, on repasse sur le boss. C'est la fin là, normalement, je pense. On tourne bien. Essaye de prendre une tempête pour voir si je reprends l'aggro. Je suis dedans. Je vais se mettre la tempête là. Apparemment ça donne de la hâte. Je peux pas passer. Non, testez pas, c'est vrai. Ah. Les gars, on passe les tempêtes, les tornades. Oh, c'est du crit. Oulala. Merci Lisania pour le follow. Essaye de vite venir côté gauche. Allez, on appuie pour finir le boss. Ah, vous êtes un peu éparpillés, on se regroupe. Ah, il va y avoir relade.
On va finir le boss là. Non, il va être insensible. Allez, on retourne à l'entrée. Ouais, mais... Toujours au même endroit ? Apparemment pour le monde normal. Je tranquille. Elle vite. Putain. Je vais mourir. Ouf. C'est la merde. Ouais, faut juste pas tomber dans l'eau après. Vous voyez les éjections, juste bien savoir se positionner pour rester sur la surface, ça suffit. Allez. Et on le termine. Allez, GG. Bon, c'était pas. Voilà, c'est une première, on va dire. Nico, du coup, si tu pourras faire attention à ton push to talk, s'il te plaît. Là, elle s'est remute à mon avis. Par contre, vous étiez pas assez de heal, il y avait un heal de mort, un truc du genre. Ouais, t'as 3 heals en fait, c'est sûr pour 20 personnes en fait. Eh oui, j'ai changé ma touche pendant le truc, mais c'était chaud. Au pire des cas, t'as juste à mute ton micro pendant les boss, c'est pas grave. Mais non, c'est parce qu'au début du combat, je voyais que vous arriviez à faire les dispels, arriver à un moment. Ah oui, il y a des moments en fait, on est loin en fait. Et Soit ça ne suit pas, soit ben. Vous êtes pas coûté, hein, on peut rien faire. Qui c'est qui veut les bots? Je posais dans le chat. Coucou Miss Alia. Ah oui, c'était merci, bizarre. Petit polo, ça m'a. J'ai fait un bon. Ouais, j'ai entendu. C'est tout, y'a que Taï et Hildar qui veulent le battre. On va vous rendre, les mecs. Hein. Il a l'air bien, hein. Il vient me faire un petit hug. Non, mais ça y est, c'est ta soirée, toi, c'est pas possible. Kota, t'as fait quoi, bizarre? Rien, mais bon, je... Profitez. On va tout droit, hein, du coup, on part par la droite. Enfin, par où plutôt. On va aller vers le poisson, hein, du coup, on fait tout le tour de la droite. Et le piédestal ancien, là, faut pas le cliquer dessus. À mon avis, ce sera pour après. Quand alors, du coup, vas-y, c'est pareil pour les gants. Pas de la transmo, pas pour dire de les vendre. Non plus. Vu que c'est lié qu'à un équipé. On peut pour les rerolls. Non, main. Reroll, je m'en fous moi. Je sais pas, je demande. Hein. Ah, dans ce cas-là, t'achètes. À combien? Je sais pas, je sais même pas combien ça vaut. 10 PO. Je dirais ça à la fin du raid. Non, c'est bon, j'en veux pas. Ouais, c'est que du 415, normalement c'est quoi qui est... 40 000 PO, je pense. Si je dis pas de bêtises. Non, mais là, tu vois, je suis en train de looter comme un cochon. Par contre, je crois que ce sera sur du HM et du mythique, t'oublies. Ah, tu sais pas. Oh, si, je le vois arriver. Par contre, on n'entend pas la poule mouillée là. C'est les trash qui font super mal en fait, il faut les cut, il faut faire quelque chose. Ils font trop mal. Bah, déjà, il faudrait qu'il y ait du druid qui dispelle les petits ZAD là qui ont des buffs. Étant donné que c'est dégueu, mais faut le dire en fait, parce que moi y'a rien qui m'annonce. Ah ouais, mais ça, même moi y'a rien qui m'annonce. Ouais, mais toi tu les cibles, parce que moi je cible des joueurs. Ah, il faut se débrouiller. Monte les escaliers.
Ah, Kabou a bugué en fait. Ah ouais. C'est pour ça qu'il a pas répondu quand j'ai demandé la poule mouillée. Qu'est-ce qu'il y a la vieille? Eh, hey, fais gaffe à toi, trou du cul. Tu m'as appelé poule mouillée. Ah ouais, t'as déco. Bah ouais, ma box elle a planté. N'empêche, la radiance, je la voyais plus dure que ça quand même. Trop facile. On est trop fort, c'est pour ça. Bah en héros, les tornades, si on se les prend, ça va faire mal. Hein. Parce que ça... là, il y a les dégâts que ça faisait quand même. Il y a ça, et je crois que pour le coup, les zones des pièges, elles restent quoi. Par contre, pourquoi ils sortent pas de PV? Faut pas les sortir d'une zone qui est au sol ou un truc du genre? Non, c'est qu'ils ont un debuff, bénédiction, rend 10% maximum de PV toutes les 1 seconde. Je vais par où? Je vais à droite ou à gauche? Bah tu montes. T'es où? Bah à droite. Pourquoi t'es parti là-bas? Je te vois pour mouiller. Si tu les colles à côté, elles ont le debuff, tu les écartes, elles ne pas. Mécanique bizarre. Ah, comme sur le palais sacre nuit avec des ads, c'est mignon. Sur Elisande. Allez, on continue à droite, de toute façon. Non, en bas, pardon. Là-bas, non, n'allez pas le... trop tard. Je pensais pas qu'on était déjà arrivé vers le... Faut les écarter. Et puis au cas où elle se healait pas assez, elles font quand même des sortes de soins quoi. Je suis pas sûr que les écarter fassent grand chose hein. Si oui, en fait elles ont pas le... Elles l'ont gardé jusqu'au bout. Non, elles l'ont pas. Bon, là, l'autre elle avait pas le buff. La tienne peut-être mais... C'était pas par là si. Ah il faut remonter. Et on était trop loin. Il y a une entrée là sur la droite. Hein. C'est là. Au pire des cas, vol 200. Hein. Je crois que c'est là, les gars. Vous allez sur la droite dans l'eau et tu rentres et tu vas dans les traps. Non. Ils veulent du trash loot. D'abord, il y a du murloc à faire. Bizarre, je prends vos trash loot, les gars. Hein, mais m'excuserez. T'as encore rien? C'est bizarre, ça me fait l'entrée. Ça me fait penser à l'entrée de Arjatan. Dans la tombe. C'est pas fou. Ah bah c'est normal. Ah ouais. Hey, t'as de la mémoire hein. Ça arrive Phil. Il dit avec toutes les tombes de Sargeras qu'on a faites, je dois en avoir de la mémoire. Il est obligé. Bon, ça va être la strat la plus compliquée à expliquer. Sérieusement? Ah ouais, complet. Franchement, elle le tient en droit. Pour le coup, j'ai essayé de radoter moi pour l'écrire. Elle tient en trois lignes la strat. Ah ouais, d'accord, on est d'accord. je croyais que tu le disais sérieusement. Mais... Wow. Tu prends le même boss. Non. Par contre, Ashara. Oh là là. Ashara, la strat, je l'ai pondu qu'avec le codex. Donc à partir de là, il y a des fortes chances que ça se marche pas comme je l'ai écrit. Ce truc, moi je clique. Façon, ouais, avec la mantra, parce que sinon tu peux pas faire le boss, tu vas mourir par la respiration. Tout le monde clique sur la membrane. Elle est où? Bah, elle est là sur le mur, là, ici, là, à gauche. Là où il y a les mages. Il faut tuer le petit poisson jaune. Ouais, j'avais pas. Ouais. Sinon, on pourra pas se il faut tuer le poisson jaune. Ouais, le poisson jaune, le poisson globe, ouais. Et ben voilà, vous avez compris le boss. Voilà, c'est fini. Par contre, il faut l'exploser. Et les gens, oui, il faut que vous alliez dans la luminescence. Si vous y allez pas dedans, ben, on vous heal pas. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir, que t'inquiète. Eh ben, si tu vas mourir, si tu vas pas dans le truc vert. C'est rien, ça, je suis en dehors, j'attends. Il y a, comment dire, c'est sur le boss, il y a aussi un truc avec la membrane. Dans l'eau. Oui. C'est si t'as la membrane alors que t'es en interphase, faut attendre qu'elle se retire ou la retire à la main. Non, c'est pas la membrane, c'est la bioluminescence. Oui, mais c'est la même chose, ça te met une bioluminescence pour... T'as pas besoin de la retirer à la main, tu passes juste sur le courant, ça te l'enlève. Oui, sur le courant, ça te l'enlèvera en fait. Ok. Ouais, go retuer le poisson globe. Parce que sinon, il y a le gros méchant mob qui va... Oui, mais ça c'est...
Par contre, juste comme ça, on est d'accord que c'est pendant un certain nombre de stacks, et donc du coup, faut pas rester dans le truc luminescent. Comment ça? En gros, tu passes dedans et ça dure 45 secondes. Ouais, en fait. Mais t'es pas obligé d'y rester. Ah non? Et si t'y restes, ça change rien? Aucune idée. J'espère non, que ça change rien, ça comme ça. Pas. Non, mais par contre, vous, les tanks, vous avez pas de problème. C'est moi, j'ai un problème pour l'instant, c'est que tous mes spells ils se posent sur le sol en fait. Ah. Oui. après sur le boss t'auras une passe. Mais en soi pour vous, il y aura que les cas qui vont être emmerdés en fait pour ce combat. Parce qu'ils vont devoir bouger entre le boss et la bioluminescence. Mais vous les tanks, vous avez rien à craindre car le boss dès qu'il attaquera, ça vous met directement à la bioluminescence en fait. Donc en gros le combat il va y avoir 3 phases. Toutes de 2 minutes je crois, comme ça. Toujours faire attention à bien avoir le sol sous vos pieds, surtout si vous avez la bioluminescence sur vous. Sinon, bah, en gros, vous avez fait les quêtes de la campagne de guerre, quoi. Hein, vous avez un gros. Vous vous souvenez, il y a un gros requin qui vous suiviez quand vous étiez lumineux. D'accord, bah, c'est la même chose en fait. Ben voilà, un peu comme Spooky. Ah ben voilà. Comme Prime. Voilà, vous voyez le poisson, ben c'est lui. Il s'appelle le guetteur des abysses. En gros, donc quand on passe dans les zones sombres, il faut pas qu'on ait la bioluminescence, sinon il y a un mob qui pop en fait, qui vient nous bouffer le derrière et on meurt, tout simplement. Par contre, mais vous par inquiétez contre... pas quand... Ouais, vas-y. Par contre, non, du coup, quand on changera de zone, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un courant d'eau, hein, pas de souci. Vous le prenez, vous marchez dessus, ça vous enlève la bioluminescence directement. Pas la peine d'attendre que le debuff arrive à zéro, tout simplement. Par contre, pendant la transition, je sais pas si tu allais le dire, pensez aux méduses. Si vous touchez une méduse, elle vous la met la bioluminescence. C'est ça, il faut esquiver les méduses. Voilà. Après, bah, en soi, le boss de temps en temps va nous faire un repousse, quoi. Donc, ne pas vous laisser emporter, etc. Et juste à un moment donné, je crois qu'il veut attirer, il faut que les cags vous portiez du sang, je crois. C'est juste ça. Il faut pas qu'on soit paquet aussi. Voilà, tout le monde à 5 mètres. Voilà. Parce qu'il lance des chaînes d'éclairs, etc. Donc toujours à 5 mètres. Quand tu passes dans le vide, ne jamais avoir la bioluminescence. Faire attention aux méduses quand on traverse, toutes les 2 minutes. BL au pool. Voilà. Du coup, ce qu'il faut faire, en gros, pendant les 15 premières secondes, vu que ça dure 45 secondes, on va pas de DPS de poisson. Une fois que la BL sera finie, je pense. Ouais, quoi, non, ça dure 40 secondes. Il faut que tu mettes 30 secondes. C'est 30 secondes, 45 de debuff, 30 secondes de pause, 45 de debuff. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on fera d'abord le crâne, puis la croix. Hein. Des poissons, d'accord, sur cette phase là les autres je les vois pas, donc on va mettre les trucs et puis voilà, donc allez, on appelle les gars. Là on a rien à craindre, c'est un sol unique, hein, donc. Après les sols sont moins top. Je suis prêt. Ouais. Allez, un range 5, donc tu vois, 5, 4, 3, 2, 1. N'allez pas DPS pour l'instant. Les heals, du coup, on peut DPS vu qu'on peut pas heal pour l'instant. Bah, si, les tanks. À part les tanks, enfin, à part un tank. Avec le DPS, le crâne. Et les stacks, là, parce que. En fait, c'est les stacks sur elle, elle augmente sa vitesse d'attaque à chaque fois qu'elle touche. Et tout le monde on switch on à 150%. Ouais. On va tous passer dans la bio. Allez hop, on remonte.
Attention, bientôt on pourra plus wheel. Pour l'instant, n'allez pas taper. Ok, allez-y, allez-y, allez-y. Go taper. Il va y avoir le remous, on va être éjecté. C'est des def si vous en avez. J'ai toujours. Dans 2 secondes, phase suivante. Marchez bien sur la vague. Et esquivez bien les méduses. Là, tu peux faire un poisson direct. Le premier poisson là, qu'il y a de base, on le tue. Et après, on part sur le boss. Gaffe à vos pieds, hein. Là c'est pas un sol unique. Attention. J'ai pas les temps. Moi non plus. Allez. Ah. Merde. Je tranquille. Gaffe après le remous, on part sur l'autre poisson, côté gauche. Je me heal. J'ai crevé. Par contre, pour this bug, du coup, j'ai été res, mais j'ai pas le buff pour aller sous l'eau, donc je vais mourir dessous. Ah merde! Y'a pas des membranes qui doivent. Ah non, pardon, y'en a une sur le côté. Là. Quand on a l'épine, faut juste s'écarter, c'est tout? Ouais. Là, y'a rien à faire avec quoi. Attention, faut se barrer. Le poisson à droite et il faut vite aller le cut là-bas, les tanks. On est pas là gros du boss avant qu'on y arrive, ce serait gentil. J'enque ou j'enque pas? Ouais, vas-y, et la membrane après. Ah bah en fait y'en a pas, hein. Y'en a pas? Non, non. Y'en a plus. Personne qui peut lui mettre? Un démo, respiration interminable normalement. Ouais. Et l'autre il est du côté, de l'autre côté du boss. J'essaie de suivre la nage, mais vu que j'ai pas le debuff, j'ai rien d'arriver. Ça go DPS le poisson club côté gauche. Tu l'as normalement même vite, hein, parce que là, allez, tout le monde sur le poisson, ah oui, s'il vous plaît. C'est bon, ouais. Côté gauche. Merci, super. C'est un wipe. On attend trop assez pour le poisson. Ouais. Je pense que pour celui-là, c'est léger 3 heals. Oh oui. Non, on moi, je me suis vu rester 10% tout le long de mon dépôt. On attend trop pour les poissons. Les poissons, ouais. Oh, je suis pas sûr que ce soit le heal qui manque, hein. C'est les poissons qui font chier. Après, là, on a perdu beaucoup de gens au début aussi.
maintenant les gens ont compris le fight. Après, si jamais on refait un try et que ça plante au niveau heal, on prendra une 4ème heal, y'a pas de soucis. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a rien qui passe, hein. Pierre de soins, pour repos. Ah bah rien. Oui. Le seul truc qui passe, c'est les absorbes du prêtre. Ouais, ouais, bah ouais. Tout ce qui est absorbe, ouais. Les absorbes du prêtre, t'as le démo aussi avec ses absorbes en passif. Et donc, y'a pas de membrane si on meurt, hein. Si. Non, moi je l'ai mis le sort du démo direct. Ouais, ok. Ben, je vais le sortir bien en vue si on a besoin. Par contre, on va tricher un petit peu au début. Ah, il y a une relique que tu peux avoir que en mythique dans le collier. Si les gens, vous faites attention. Attendez, restez là, n'allez pas au bout là-bas. Petit truc, prenez votre buff bouffe avant d'aller en flotte. Hein. Ouais. Si jamais revenez. Si vous savez bien coller le mur de droite pour aller vers le boss, on peut tuer le poisson juste là. On aura quelques secondes avec le debuff. Voilà. Le crâne là, que j'ai mis derrière. Parce que l'autre là-bas, c'est le boss. Bah, au départ, il n'y a pas besoin spécialement de huile au départ. Hein. Non, non, Jean. Pourquoi ? Ouais, faut coller le mur. Ouais, moi j'ai collé le mur et j'ai rien pris tout à l'heure. Je suis pas mort. Hein. Ce qu'on vous voulait. Non, y a pas d'utilité, vas-y, on va faire ça. De toute façon, la première plateforme, elle est pas compliquée, c'est à partir du deuxième, il va falloir qu'on fasse les poissons un peu plus rapidement. C'est ça. C'est à partir de la deuxième où ça... Ouais, faut quasi zéro mort là, malheureusement. J'ai une petite question sur la vague là dans l'interface. Le remous ? Ouais. Ah, la vague. Ah non, pour aller sur l'autre côté. Oui, ouais. Voilà, pour changer de zone. J'ai pas regardé, mais on a un buff, un truc comme ça, parce que j'ai marché dessus, mais ouais. J'ai pas lu. T'as un debuff. Bah, déjà, t'es plus vert autour de toi. Mm-hmm. Quand tu marches dans la bioluminescence là, c'est dans le nuage vert, t'es tout vert. Ouais. Bah, quand tu passes sur la vague, normalement, t'es plus censé l'être. T'as encore le debuff à la base, quoi. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas eu de problème à ce moment-là. J'ai pris la vague, j'avais encore le debuff sur moi. Ah, c'est étrange parce que moi, à chaque fois que je l'ai pris, j'ai pas eu de soucis. Il a mal pris. C'est que la vague, faut être dessus, dedans. Moi, j'ai marché dessus. Ça passe. Ah, je me suis bien marché. Je vais réparer si vous voulez. Bah, j'ai pas été mangé par le poisson pour autant. Hein. Ouais, voilà, moi j'ai pas été mangé, mais j'ai pas regardé si j'avais le debuff. Go réparer et on pull. Faut être dans la vague pour retirer le debuff. Ouais, donc c'est bien. Oh, le trash flip qu'il a loupé l'autre. Sérieux ? Putain. 405. Mais oh, vraiment, la vache. Ça, pourquoi ça devrait être interdit, tu vois. Ah, allez, on est parti. Parce que le 445 n'est même pas encore sorti. Ça devrait être interdit d'arriver à 450, quoi. 5, 4, 3, 2, 1. Et n'oubliez pas, SDDF les gars, sur le premier remous, c'est nickel. Dans 8 secondes. Après le premier remous, on fait le poisson crâne. Hein. Allez. On le fait ? Après ça, du coup. Allez, on attend trop. Tester. Tu pourras mettre une respiration sur Shadow ? S'il te plaît. Sur le second poisson. On va être éjecté un peu en arrière, attention. Okay, en fait,
fait, c'est pas 2 minutes les phases. On peut le prendre de suite le poisson. Attention, on va changer de phase. Là, tu l'as plus, Côte, tu vois. Ouais, ouais, je vois ça. Et Jean, c'est pas du suicide qu'on aille tout sur le poisson en même temps? Et la palourde a mis ça en bas à droite là? Je sais pas. Je sais pas pour le coup si c'est. Après, c'est, si on est bien écarté, ça va. Parce qu'on peut être en hauteur et tout, mais non, c'est pas du. En normal en tout cas, c'est pas du suicide. Ouais. Faites vraiment gaffe là par contre. Un poisson. Un gros poisson à gauche. On va être un peu éjecté, attention. C'est fait, je crois. Je tranquille. J'ai pas tout le monde. Ok. Allez, on change de phase. Il va falloir que vous gériez les gars de vos debuffs, de vos. Comment dire, de vos CD def. On est plus que 2 heals. On DPS de suite à droite. Hein. Le poisson à droite. Et du coup la palourde abyssale ou qu'un c'est à quoi ça? Pas du tout. Il y avait même un crabe charognard. On fait ça. Ouais, c'est pas vraiment fait, je pense. Gaffe à vous. Allez. Go sur l'autre poisson, on assure le coup. On va être éjecté. Manque un heal hein, quand même sur ce boss. Bah là on est là, en fait à la fin. Non, mais... Monsieur Paré. Shadow il s'est fait bouffer par le poisson. Mais j'aurais une requête par contre parce que les tanks ils sont trop loin, je suis hors de portée moi en fait. Ouais mais tu peux t'avancer en fait sur leur truc. Ah GG pour le HF. Ah mais le problème qu'il y a c'est que quand je m'avance, quand faut que je revienne dans le truc vert c'est. Ah ouais mais bon c'est ce que moi j'ai fait pour le coup. C'est ça pourrait être relou mais on n'a pas le choix de toute façon. Vas-y. Easy. Hein. Petite question comme ça, quand tu dotais le mob à tuer, est-ce que ça dotait le boss à côté? Non. Parce que moi ça me le faisait, hein, ça dotait le boss à côté. Non, ça le faisait pas. Ok. Les raids sont pas passés. Aucune idée. Par contre le bijou, je veux bien tenter de le choper. Moi aussi, elle est marrante. Il est marrant le bijou. Ah je l'ai pas eu. Quel bijou? Ah le bijou il est sympa en DPS hein. Ben, en heal il te permet de d'octroyer, enfin, t'as une chance d'octroyer luminescence à l'allié quoi. Ah en DPS. Oui pour toi peu... oui. Pour toi Jin oui mais sinon pour nous. Oui, non. Oui bien sûr.
Non, moi je trouve ça vide. Par contre, on va attendre pour les rendre là. Par contre, je peux pas le raise. Pour rendre pour les gens, est-ce que quelqu'un peut faire un enchant et j'aime à tout hasard. Sniper, t'es mort où? Ah, mais non, t'as des coups, d'accord. Toi, tu le trouves pas ouf le bijou en DPS, Easy? T'as des compos, Sookies? Bah, le truc, c'est que il a l'air d'être bien, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que. Il proc souvent, c'est ça le truc. Bah, je peux le tester, je l'ai looté. Moi aussi, je m'amuse avec mon hippocampe, mais bon. Après, de toute façon, il suffit de faire un truc. C'est craft, il est équipé, tu veux. Ah, si tu veux. Voilà. Je l'ai équipé si tu veux. Attends, faut que je regarde un truc. Bah, n'empêche que son remous électrique là, quand il repousse, il fait quand même pas mal mal. Moi je trouve qu'il fait pas trop mal, mais par contre. Il y aura un changement de strat la semaine prochaine, ça c'est clair. Ah, il souffle de ouf hein, le boss hein. Et oui, Jim, ce que je t'expliquais pour les poissons, c'est que le truc c'est qu'il y en a qui vont être bas en vie quand on va aller chercher le heal. Comme on y va tous en même temps, les 5 mètres ils sont clairement plus respectés. Tout à fait. Et je pense qu'en normal ça passe, mais qu'en HM ça fait beaucoup plus de dégâts. En fait, on va mourir en voulant aller chercher le heal. Ouais, il y a de fortes chances. Faudra qu'on voit quoi. Fais gaffe, par contre, en parlant de hitbox là-dessus, tu peux faire des étages. La hitbox est énorme. Tu te mets en bas, un au-dessus, un peu plus haut. Et moi je sais que j'étais au cap du boss, mais j'étais tout en haut. Et au début j'étais au cac avec Tai, puis je suis monté d'un cran et parce que 5 mètres c'est vraiment pas grand chose. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des étages. Hein. Et ça marche aussi sur les poissons, à chaque fois moi je passais au-dessus et je le prenais. Après entre guillemets la strat qui va changer c'est qu'au final les phases ne durent pas 2 minutes. Du coup on prendra le poisson directement en fait au départ. Et PL juste après avoir pris le poisson. Personne pour les mains en 420 là. Les pins, c'est quoi qui donne ça? C'est aléatoire? Je vais te dire ça, parce que je t'avoue que j'ai pas fait gaffe. Parce que la première fois que je suis mort en fait, il y avait pas de poisson et je me suis pris ça sur la gueule en fait. Tire des toxiques sur plusieurs persos qui infligent des dégâts pendant 12 secondes. Non, c'est aléatoire. Ah bah c'est le BMOD, c'est le boss donc. Bon, par contre, je sais pas où est-ce qu'il faut aller, donc je pense qu'il faut aller tuer les trucs et cliquer sur les fontaines après. Ça, tu veux ça. Est-ce que quelqu'un peut faire une gem crit? On va la sortir. C'est moche. À moi. On la sort après les trash. Yeah, je rigole, il te répond si je veux te le donner. Bon, du coup, bataille, il va falloir que je te le donne. Hein. Ah, par contre, Non, t'as combien sur toi là? Non, t'as combien? Merci, les sous. C'est un 410 qu'il a. Ah, moi j'ai un 415, donne-lui. Non, t'as gagné. Hein. Non, je disais ça pour rigoler, moi je m'en fous. Je pourrais pas le mettre tout de suite, alors donne-lui. Si, il y a des joies, mais on va te la sortir. Attends, on a plein en banque. Bah, il en a plus besoin que moi. Hein. Une crit, c'est ça? Ouais, s'il te plaît. On en a 123 donc. J'étais en train de regarder ça moi. C'est des. Ouais, mais c'est les max ou c'est les. Ouais, c'est les 40 quoi. Ok. Attends, c'est dans la guilde. Mais c'est moi, attends. Non, mais c'est dans, ouais, mais c'est dans le, c'est dans le dernier onglet, pour tu l'as autres, pas. Pour les autres, j'irai farm un petit peu de minerais pour les faire. Du coup, ouais, vous êtes passé par là alors que vous auriez pu passer de l'autre côté. C'est pareil, y a pas de mob. Non, c'est sûr, mais il y aura juste. Ouais. Ouais, c'est pareil. Tout nettoyer comme ça. Ouais, mais il y a un chemin où tu prends des dégâts dessus, donc t'as l'impression de jouer. Ah bon? Je sais pas, je joue druide. Ouais, bah après, je joue comme tu veux, mais je joue pas. Bon, en tout cas, bon, ça va, c'est une bonne soirée, c'est déjà. On va partir sur. Du LM, calme. Le oui, est non, mais. Plus agréable que l'autre. Hein. Enfin, ça boit du NM. Je te rappelle que la première soirée, on était à peine arrivé à Opulence, quoi. Je préfère rien dire.
ça va, il prend ça bien, va, bien. Oh. Même en fin de raid, on arrivait à opulence. Hein. Non, non, pas en normal. En HM, oui, mais pas en normal. Et en mythique aussi, au final, du coup. Oui, non, ah, en fin de raid, avec 4 ans. Très bien ce que je veux dire, quoi. C'est pour ça que. Non. C'est... Oui, c'est du NM, c'est tout. Ah oui, bien sûr, non, bien sûr. Oh, on a voilà, enfin ça c'est clair qu'on a bien, bien avancé. Bon. La cour cendre. Je peux poser une question bête? Vas-y. Vous faites des pauses ou pas? Ouais. D'ailleurs, on va en faire une. Non. Ok, ça roule. Ah, avant? Il y a 22h. La prochaine pause, c'est. Ouais, c'est bah les go maintenant alors. Mercredi dans la nuit pour le reset. Ça roule, ok, pas de soucis. Jean, d'habitude, la pause, on l'a fait à 22h10. Allez, c'est parti jusqu'à 25 du coup. Ah, ok, marche. bon bah, j'ai lancé. C'est deux fois plus long qu'avant. Ah, tout à fait. Non. Ouais, mais vous avez été deux fois meilleur qu'avant, parce que vous avez quand même un peu travaillé de votre côté. Ça, c'est parce que mamie, elle a des trucs à faire. Non. De suite. Elle doit aller laver son dentier. Non. Sois pas jaloux que tu puisses pas en avoir. Hein. D'ailleurs, elle a été bonne, t'as pleuré. Faudra lui laisser plus de temps, par contre, parce qu'à 25, elle sera pas revenue. Bah ouais. Hey, le temps de monter les escaliers. Ah, t'as pas parlé d'une histoire de ban si quelqu'un se foutait de ta gueule. Après, je veux pas remettre de lui. Et dire que vous avez tous gobé cette connerie. C'est ça. Non, moi, j'aurais trouvé ça marrant. Ah ouais, d'accord. Bah, le plus marrant, ça aurait été s'il y en a parmi vous qui ne connaissaient pas la strat. Ça aurait été marrant. En fait, de vous demander d'étudier la strat de votre côté, c'est voir votre implication par rapport à la guilde et par rapport au raid. Si vous n'aviez pas été vraiment préparé, toutes les personnes qui n'avaient pas été étudiées un petit peu les strats ou jeté un coup d'œil, je leur aurais demandé de les regarder et de venir la prochaine fois en raid avec nous. Mais vous avez tous bien travaillé, donc il n'y a pas de souci. Oui, oui, c'est vrai, on a tous bien travaillé. Oui. Oh. Mais pourquoi j'aurais pris cette décision-là? Parce que le précédent raid d'Azaralord, des gens venaient les mettre dans les poches. On ne pouvait pas avancer dans ces conditions-là. Donc, c'est pour ça que je commençais un petit peu à m'énerver aussi. Parce que c'est vrai que ne pas avancer, de se dire ouais, on est en train d'essayer de PL les autres, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Mais on n'a pas besoin d'en parler. Vous avez été très bon. Oui, enfin, comme ouais. Je l'ai dit, enfin, sauf, c'est sauf du NM. Tôt. C'est du NM. On verra sur le HM les personnes qui seront en dessous. Hein. Bah, en attendant, on regarde. Ça va. À part Spookies et Prime qui sont morts comme des boubouzes, ça va. Après, ouais, j'ai envie de dire, les mains dans les poches, ça doit être compliqué à jouer. Hein. Bah, voilà, t'as l'habitude. Hein. Surtout quand t'es toi. Enfin, toi, c'est pas forcément dans les poches. Hein. Non, tu sais où c'est toi. Ah s'il vous plaît, pas de cochonnerie. Non mais après voilà, on verra sur le HM parce que là c'est du NM, c'est la mise en bouche. Sur le HM, on verra des personnes. On sait que t'aimes quand tu vas prendre un bouche pour dégueulasse. Oh. Ah là c'est la mise en bouche, tranquille. Les boss c'est des petits apéros, tranquille. On les mange. Non, par contre, vous savez qu'on a des nouveaux, évitez de les traumatiser quand même. Moi, je m'en vois pas, j'ai pas fait exprès. Ouais, mais vaut mieux les mettre dans le bain maintenant que les mettre dans le bain la semaine prochaine. Ouais. Comme ça, au moins, s'ils sont dans le bain, hop, ils nous connaissent. Et au moins, bah, ou ils restent pas parce qu'ils nous trouvent dégueulasses. Vas-y, arrête de me montrer des sims, toi, je dois les détruire. Vous êtes dégueulasse. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais comment dire, t'as vu le up de ouf? J'étais à 28.5, hein, sans le bijou. T'es passé à 28.8. Ouais. Non, 28.4. Up de ouf. Bon, bah, oui. C'est déjà un bon up, hein. Qui bande de gros. Oui, non, bon. Non, mais de toute façon, va falloir que j'aille faire des sims parce que là, il y a des trucs qui me plaisent pas. Sur un fret, il a proc que 11 fois, tu vois. Ouais, ouais, non, mais. 11 fois, c'est pas mal, déjà, quand même, du coup. Par contre, Kabou. T'as peut-être augmenté ton DPS, mais t'arrives ça pas à le tenir. Rien. Oui, je sais, ça change rien. Tu montes très haut, je kiffe, hein. Je te vois haut pour une fois, je suis content, mais. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à le tenir, c'est ça le problème, c'est que j'essaye de tout faire bien comme il faut et. Je sais pas, c'est un moment, je pleure pas. Je pleure pas, c'est bon. Je pleure pas,
Parce que là, tu sais très bien pourquoi je dois aller faire des sims. Bah oui, je sais. On est d'accord, ça va. Ouais, on est d'accord. Tout le monde le sait. J'ai tous les items là dans ma banque, t'inquiète, ils attendent. T'as quoi au niveau de tes stats là? Pardon, attends, excusez-moi les gars. J'ai mis sexe, un dans ma banque. 21 de crit, 15 de hâte, 3 de poly, 34 de maîtrise. Toujours à devoir jeter un coup d'œil sur moi, on sait jamais. Mais il faut que je change une arme, faut que j'aille faire gronde en même temps. Collier aussi. Casse les couilles. Ouais, mais ça, bah je l'ai fait aussi dans l'après-midi. Je me suis réveillé à 15h, je suis direct allé le faire le donjon. Quel langage c'est. Mais je l'ai breloque carrément. Mmh. Ça me casse bien les couilles parce que c'est un gros up. En fait, à chaque fois que je les entends, à force que tout leur casse les couilles, ils en ont encore. Ouais. De franchement. Ouais, t'as dit, on prend une arme, on va faire le donjon, il dit moi. Relink le truc vite fait. De quoi le. Le sort. On est d'accord, c'est celui qui met le. Ils ont fait un changement dans le codex. Céleste pendant 5 secondes. Ouais. Bah, mais j'ai les 3 premiers boss, ils sont marqués d'une croix rouge, comme quoi on les a tués. Oui, bien sûr. Réduit le temps de recharge bah de non, sur elle, 15%. Bah oui, non mais c'est super, c'est... Bah... Je comprends c'est pas moi qui l'ai fait. Non mais je comprends pourquoi il était beaucoup plus haut, quoi. La meuf aussi. En plus, je te cache pas qu'à chaque fois que t'approches, je suis en mode... je l'ai vu prendre 26 points d'appel, c'est quand t'as quand même... Eh ben... Ah la vache... de partout en plus. Oh, nettoie ton clavier, nettoie tout pendant la pause. L'écran va tirer. Attendez, je cherche de quoi nettoyer, encore un peu de temps et je reviens. Le pire, c'est qu'il se mute, gros. Il va se taper une branlette maintenant, ça y est. Ils sont immondes. C'est moi ou il peut paraître énorme ce bijou? Ça peut être sympa, ouais. Je sais pas, enfin bon, moi après, c'est il absorbe 10700 dégâts, 223 de poly, et à chaque fois que je fais 10%, ça réaugmente de 1000 les, l'absorption et 22 la polyvalence, quoi. Ouais, c'est chaud. Une tranche de 10% de mana. Ouais, de 10% ouais. De ton mana, donc c'est énorme, moi, je trouve quand même. Ouais, mais sauf que j'ai une régène de fou. Si t'as une régène de fou. Oui. Bah, j'ai la relique dessus que je régénère ma mana. Ah oui, des souvenirs, vrai, des rêves lucides. Pas de relique non plus. J'ai ça là. J'ai la ressource qui régénérait de 100% plus vite pendant 15 secondes. Bah, en fait, le truc qu'il y a, c'est que tu nous l'as envoyé à nous, mais nous on a notre truc de notre P en fait. Ah ouais, je pensais que ça. Non, on a tous les mêmes en fait. Non, mais. Qui sont ouais. Les en gros, c'est je vis de mon esprit, j'entre en harmonie avec le cœur, badati patata. Ouais. C'est qui augmente la vitesse de régénération de la ressource. Et moi, c'est mana en fait. D'accord. Donc, de 100%. Et la deuxième partie, c'est ressorts et techniques ont une chance de restituer 50% de la ressource dépensée. D'accord. Et en plus, je récupère des PV. Et en plus, ah oui, ouais, bah ça c'est tout le monde, ça. Ça, tout le monde là. Ouais. Mais par contre, je viens de voir un truc. Putain, pour ma cheveux, quand même, ils ont un peu pété quand même là. C'est le truc, la souvenir des rêves lucides. C'est trait de feu de 100%. Donc le temps de recharge de trait de feu, il est de 100% pendant 12 secondes. Donc en gros, tu peux le spam quoi. Donc ça. Mais des reliques pétées. Mais est-ce qu'il pas va être modifié? Ils en ont parlé, comme quoi il y a un certain niveau de. De toute façon, là, pendant cette semaine, ils laissent les trucs et à partir de mercredi, ouais. Ils font les derniers trucs pour la course mythique. De toute façon. Oh là là, va falloir vraiment faire tout le. Oh, il va falloir faire le NM, le HM toutes les semaines. Pourquoi le NM et le HM? Ah, pour celle du reliquaire? Ouais, pour ça. Ouais, moi j'en ai 3, j'en ai eu 3 tout à l'heure, non, donc il mais en faut 9. En HM il y en a 10 hein, par boss. Oui mais non mais, ah quoique ça sera peut-être que le NM, enfin il faudra peut-être que tu le fasses seulement, enfin tu vas peut-être le loot seulement ah. Un boss comme sur, c'était le cas sur le cauchemar d'émeraude par rapport au... Ouais.
au truc. Ouais, du coup, ce sera tellement sûr. Ouais. Bon, tant mieux. Ouais. Ouais, je sais pas, faudra voir. 9, ça a l'air d'être rapide à avoir quand même. Par contre, en fonction de où est-ce qu'on en est ce soir, à la fin du raid, on vous dira si vous pouvez claquer votre ID HM ou non, en fait. C'est moi ou ce bijou-là, il est cossu? Alors, vas-y. Ah oui, non, il a abusé. Oui. Pour un pool, c'est terriblement fort. Ah, m'en parle même pas. Ah, celui-là, il est abusé, ouais. Il est vraiment abusé. Ah, il va être nerfé. Il va être nerfé. Parce que franchement, 2500... Parce que la carac de 1500, laisse tomber. Celui-là, le moment où tu l'as en 440, mais c'est même pas la peine. Même pour les interfaces, enfin genre... Dis-toi, en 445, t'as déjà 218 de crit constant et 3353 à l'intel. Ah, c'est énorme. 3353. C'est énorme. Ça va, on avance bien. C'est ouf, franchement. Ouais. Là, on devrait pouvoir en faire 6, je pense, ce soir. S'il te plaît, tu peux me faire 3 canages, j'ai pas le temps. Dommage, Chara, je sais pas, il reste qu'une heure. Hein. C'est comme ça là, va. t'as des très très belles. Ah ouais, je peux pas mettre la monture donc. Ah, on pouvait la mettre dans l'eau. Petit problème. J'avais même pas vu. On pouvait la mettre dans l'eau. Regarde ce bâton. Cote. Par contre, il y a 3 strats dessus. Ouais, parce que. Ouais. Ah, mais franchement, honnêtement, c'est bien appuyé. Ce bâton, par contre, franchement, 10% d'HP, c'est un peu. Moi, je le vois. C'est énorme. Ouais. C'est dangereux. On parle quand même d'un truc en raid, 10% d'HP, tu les perds très vite quoi. Non. À part sur le boss juste avant qu'on a fait, remarque, tu peux le proc en étant malin. Mais... Ouais. Non, en fait, par contre, pour avoir 10% de mana, si vos points de vie ou points de mana sont inférieurs à 10%, ah, points de mana. Votre toute puissance. Ouais, mais c'est 10% de tes points de vie. Donc c'est 10%, ouais, mais... il te reste 90% à. Je trouve que quand même ça va, c'est pas non plus. Ah bah... Ouais, en fin de fight, en fin de boss, tu vois. Ah ouais, c'est vrai qu'il peut... hey, il est pas mal celui-là. En fin de boss pour les healers, pour les healers, c'est super, hein. Pour les healers, pour même tout le monde, les c'est 3 stats. Maudits, j'aime bien pour un match, c'est ouais. Top. 3 stats pour un... Je sais pas, toi, Code, si t'as bien les 3 stats, hein, mais franchement, oui, je trouve Et du coup, ouais, celui-là, c'est sur le dernier. En lui-même, oui, mais ce qui me pose problème, c'est le 10% en fait. De mana, je peux comprendre, ça peut être bien. Justement, quand t'as plus de mana, ça te fait un burst. Et point de vie, c'est après, 10%, c'est tendu. Hein. Ça fait quoi? Juste ça heal et ça fait des dégâts aux ennemis. Ça te fait rien quel sinon. Goût, par contre. Sniper. Ouais, mais faut que ça proc, sinon tu meurs en fait. Pour un mage arcane, le bâton, il est huge. Pour un mage arcane, c'est juste infâme. Pour un... Oui bah oui, mais attends, c'est point de vie ou mana hein, côté. Ouais, oui. Ouais. Oui, mais c'est ce que je dis. Pour le mana c'est bien, mais pour les points de vie, quand t'es un DPS par exemple comme un Chamelem qui n'a pas de, enfin qui a très peu de mana, justement, enfin à part claquer des sorts de heal pour oui. Être pour baisser tout ton mana et balancer un heal, c'est ça, ça sert à rien justement. Non, mais au DPS, après, quoi. Dans tous les cas, ça entre guillemets, moi je trouve le bâton, le concept en lui-même, God, Crollo, Warson, parce que c'est pour les 3 stats moi. Le bonus oui, bah équipé, oui. En bas les couilles. Est-ce que je peux vous décorer du jeu? Oui, oui. Warson? Oui. Oui, comme tu réponds pas. Bah, allez, on va reprendre. Ouais, ouais, mais comme on a refait parce qu'il manquait des personnes. Ah, d'accord, pardon. Il est sur une autre page. Ouais. Il va être marrant le dernier boss. Il a juste vraiment ouf. Hein. Normal. Allez, on reprend du coup. Du coup. Dame Corsandre. Ne vous inquiétez pas si jamais vous voyez que sa vie ne descend pas. C'est normal, elle a un bouclier, c'est par rapport au PV qui lui reste. Donc au début, ça sera une énorme carapace, ensuite ça sera plus faible, etc. Voilà, ça c'est pour les PV. Ensuite, il va y avoir des zones au sol, on évite de rester dedans, et à un moment donné, ces zones en fait vont faire apparaître des bulles. Il faudra les prendre, mais en mode décalé. Donc il faudra en prendre une, ça explose, on heal le raid, boum, on en prend une autre et tout. Enfin, on va voir comment ça se passe. Mais il y a une super condition, c'est qu'elles ne doivent jamais toucher le boss. Parce que sinon, ben, ça régène 10% PV. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, il faudrait voir si avec des immunités. Bon, là, on n'a pas trop pour le ouais, coup. Ça ça, 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 fonctionne. Ça fonctionne. Ok, nickel.
Voilà. Il y a des coraux qui vont apparaître et elle pop de ça. Et du coup, pendant cette même phase, pendant cette phase 1, il va y avoir des personnes. Donc il va y avoir 3 groupes de 2 qui vont être ciblés en fait. Vous allez avoir un symbole. Alors après, je sais pas comment ça marche exactement. En gros, les 2 qui sont liés, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous ayez le plus de coraux possible entre vous. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le debuff arrive à expiration, ça explose et ça fait dépop les coraux. Ça va nous aider justement pour éviter qu'il y ait trop de coraux avec des bulles qui pop pour heal le boss, quoi. Tout simplement. Donc voilà, pas plus que ça. Et la P2, donc c'est ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Voilà. Ah si, j'ai oublié un truc. Ces 3 personnes vont être ciblées, il va y avoir une zone autour d'eux. Vous paquez, à la fin du debuff, il y a des adds qui pop, on défonce les adds et puis basta. Les 3 personnes vont être stun aussi, il faudra les libérer. Ouais, et ils seront stun, on devra DPS la bulle pour les libérer et puis voilà. Il faudra qu'il y ait personne d'autre dedans à part eux. Hein. C'est ça. Sinon les autres 4 dedans, ils sont aussi stun à leur tour. On est parti. Quatre, trois, deux, un. Par contre, pour la BL, je sais pas trop. Après le premier bouclier. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Vous voyez, bon, essaye de la mettre le plus loin possible des coraux. Enfin, essayez, pardon. Vous êtes... Et attention à les bulles, là, il faut en prendre. Ouais, ça va, vous pouvez les prendre de suite, y a pas de souci. Oui, pour les tanks, oui, à chaque attaque, il y a une zone au sol qui apparaît. Avancez lentement. La salle sera. Question toute bête, la petite barre bleue et rouge là, c'est son shield. J'ai l'impression. Okay. La bleue, c'est son shield. Tiens, il fallait spacker, putain. Désolé. À l'arrière, il y a une bulle à tuer. Faut que tu récupères, voilà. Les attention. Là, ça fait mal. Ouais. Ils ont pas trop. BL. Ouais, il faut la descendre le plus vite possible en fait. Ouais, pour qu'on ait qu'une seule phase en fait, ouais, il faut qu'elle descende en dessous. Voilà. Et les debuffs, faut péter les coraux. Ouais. Et là, voilà, juste ceux qui sont bien ciblés, mettez bien les coraux comme il faut. Allez, regardez bien vos couleurs, les gars. Et faites péter les coraux. Non, paquez-vous. C'est des bulles. Je pensais qu'il y allait avoir des trucs sous nos pieds, mais non. Il y a une bulle à l'extérieur. Hein. Non, la descend. Allez, on continue à bourrer. Allez, pétez les coraux. On va essayer de la mettre à 40. Donc elle remet sa carapace. C'est bien. Il y a une bulle, non ? Ah non, c'est un truc de mage. Allez, carte là. Quand même des coraux. C'est une vraie rigolade, ce boss. Non, c'est de la merde. Hein. Donc, on a un debuff, et du coup, prenez pas 2 bulles en même temps, hein, les gars. Sauf si vous avez une immune. Moi, je la voyais plus dure que ça, tu vois. Comme quoi? Ton heal, je suis un peu la même. Allez, paquez-vous! Au cac, paquez-vous. Il y en a une un peu écartée de bulles. Ouais, c'est moi. Ouais, les bulles, dès que vous l'avez, c'est au cac. On cherche pas, c'est au cac. En vrai, faudrait vous paquer sur le temps, en fait. Le temps s'écarte. Ça, on va pas chercher. Attention, elle va bientôt perdre son bouclier.
carré. Je crois que... Watcher. T'inquiète pas. Je suis là, je te tiens. Oh, il y aura peut-être une troisième phase. Et attention. Les symboles, péter les coraux. Il y a un symbole qui bouge pas. Non mais il faut aller vers les coraux les gars pour voir où sont vos copains. Pour pouvoir péter les coraux. Ah, c'est on va aller dans l'autre sens. Dans l'autre sens, Colo. Ouais, c'est dans l'autre sens. C'est mal compris. Les bulles au cac. Parfait. On a 20 secondes pour la tuer. Sinon il y a une autre phase. N'allez pas péter, n'allez pas les péter, on va mourir. Allez, ouais. 4 secondes, parfait. GG. Quel boss de merde. J'ai dit que j'avais un anneau sur elle. Il était sympa le boss. Et allez, ouais, les icônes, marrant, ouais. Les icônes là, si j'ai bien compris, en fait, il faut mettre le coro entre les deux joueurs, c'est ça? C'est ça. Et faut être bien aligné face au coro, quoi. C'est ça. Parce qu'il y en a en fait, ils venaient se paquer sur les mêmes symboles. Il faut pas se paquer en fait, les gars. Ah oui, j'ai pris le trajet normal là. Parce que je suis passé dans un trou, je me suis fait péter la gueule par les gars d'en bas. Mais ouais, les tanks sont pas descendus. Ouais, ils pensent que loot hein, en même temps, pas sûr. GG à ceux qui ont les mascottes. Par contre, Izzy. Quoi? Le vieux, j'ai regardé, il a bien pour capturer le bassin. Ouais, j'en doute pas. Bon, ça va, c'est une bonne forêt. Hein. À mon avis, apparemment, il y a un autre, chemin, hein, je crois. Non, je crois que. Mais il est où ce n'est pas? Non, c'est le chemin, je crois. Ouais, ouais. Il est peut-être libéré. Bah, il était même pas avec nous, c'est même pas lui là. Je crois que c'est le boss le plus simple qu'on ait fait ce soir. Oui. Non, le plus simple. Ils sont tous simples, hein. Ouais, mais. Non, ils sont tous simples, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu compares malgré tout la simplicité, ça reste elle quand même la plus simple des simples. C'est plus rapide en tout cas. Ouais. Ça prend quand même pas mal de dégâts là. Par contre, en mythique, ouais. Il y a marqué vague sur alors, puissante. Alors, justement, là il y a marqué mastodonte, c'est le mastodonte hein, qu'il faut défoncer. Sur le boss, c'est ce qui va se passer. Il va falloir tuer le mastodonte le plus vite possible. Hein. Ça va être vraiment important, bon on l'aura qu'en phase 2, mais c'est vraiment important de le bourrer. Parce que justement il fait des gros dégâts. Ils auraient dû le mettre en tant que boss, il a fait plus de kills. Ouais, par contre on attendait avant de partir. Ah, ok, bah, y a plus de heal, super. Oh ça va, on est sur Dame Corsand, ça va. On peut libérer tranquillement, on est sur Corsand. Ouais, il pique ces Zad là. C'est pas qu'il pique, c'est qu'il faut faire juste attention à ce qui se passe. Bye bye. J'avais pas vu le débat de fou. Ah, je suis bugué. Bah, en même temps, vous êtes parti sans les heals là pour le coup. Ça ira pas loin. Un conseil, faut pas dash dans le bordel. Ah non, interdiction de dash dans le. Je suis planté. Ouais. Faut pas dash et d'ailleurs, on va y passer, enfin, pas à cet endroit là, je pense, mais par notre côté. Parce que l'intermission, en gros il y a une P1 et puis une P2 et l'intermission c'est de voyager. Ah, je peux essayer de le réserver. Essaye, vas-y. Au pire on meurt, on remonte, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il reset. Yep. Et prenez la pierre de soin. Alors, Orgozoa. Bon, là, je vous dis vite fait l'intermission, c'est très simple, c'est un escalier, comme on vient de faire, il y aura des pièges, il suffit de pas marcher dedans, il suffit de pas prendre les dégâts, et d'arriver en bas, et quand on arrive en bas, par contre, interdiction absolue de cut, tant
que on n'arrive pas à la dernière seconde de pour cut quoi. Parce que on peut DPS le boss, a priori il n'y a pas de debuff de comment dire de dégâts en moins dessus, de dégâts subis. Vu que c'est un très long cut, enfin un très long sort en fait, autant s'amuser à le DPS tant qu'il fait rien. Voilà. En gros. Le début du combat, c'est là où ça sera le plus compliqué pour nos amis tanks. D'accord. C'est là où vous allez prendre le plus cher en fait. Parce que plus le temps va passer, plus vous allez prendre des stacks. Et ces stacks en fait vous prendrez moins cher. Cependant, il ne faudra jamais arriver à 10 stacks sous peine que vous mouriez. Ces stacks vont servir à une seule chose au final. À un moment donné, il y a des donc les adds qui vont être invoqués en fait. Le but du jeu, c'est d'essayer de les tuer en même temps. On peut pas les pack sous le boss parce que bah, sinon bah, ils ont des dégâts subis en moins. Et par contre, ils vont laisser une zone. Et il faudra la soc. Et le but du jeu, bah, soit on peut la soc avec des bubules de paladin, des ice blocks, etc. Mais aussi grâce à vos debuffs. Du coup, les tanks. Voilà. Et ensuite, il y aura des personnes qui vont avoir un debuff. Il faudra juste être écarté de tout le monde. Donc, soyez tout le temps écarté, c'est le plus simple. P2, donc la même chose que la P1. Sauf qu'il y aura des nouveaux adds. Et il faudra focus le mastodonte. Surtout de bien soc. Donc, la grosse AOE du mastodonte. Alors, en principe, le tank avec lequel le plus de debuff peut la prendre normalement. Et s'il a pas les debuffs, autant avec un gros CD, ça devrait le faire. Normalement, tout le monde s'écarte du mastodonte et c'est les tanks qui prennent. Voilà. Ensuite, le Myrmidon, on s'écarte le plus loin possible du raid pour éviter que la zone au sol ne reste et emmerde les copains. Et puis voilà. C'est tout. BL. Je dirais BL P2. BL intermission. Non, ouais, quoi que. Je sais pas, il faudrait voir combien il reste de temps en fait sur le sort quand on arrive en bas. Par contre, les DH, évitez de voler, sinon vous mourrez. En fait, voilà. Vaut mieux éviter ça. Ça va être compliqué. Non mais c'est, enfin, vous pouvez voler, mais évitez de voler dans le vide. Voilà. Je l'ai fait, tu prends un debuff de fou. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais pas parler d'une pluie, mais bon, il suffit d'esquiver, je crois. C'est sur ce boss qu'il y a de la pluie, je crois. Si je confonds pas. Bah, c'est quand. Oui. C'est pas un chêne, ça, qu'il a pris ? Je sais pas. 4, 3, 2, 1. Par contre, je sais même pas quand est-ce qu'il y a eu l'intermission. Sniper Shadow, vous vous écartez. Non, c'est quoi ça? C'est des adds qui vont pop? Je sais plus. Voilà, vous avez compris la pluie, je n'allais pas vous expliquer. Allez, les adds, vous les paquez. Le tank a le plus de debuff. Récupère les adds et les écarte. Et on dépèse les adds. Et on s'enlève, on les dépèse ensemble si c'est possible. Écartez-vous bien pour les socs, c'est le tank qui récupère. Pourquoi je sais pas quand est-ce qu'elle est la P2. Allez bien écarté. Écartez-vous bien de tous les gens qui ont de l'arc conducteur. Gaffe de pas vous prendre les dégâts. Il devrait y avoir les adds, je crois. Ouais.
Je vais te récupérer le boss, après t'iras à Soc les AOE. Quand tu veux. Maintenant il faut Soc, vite vite. Ok. Reste un ad. Soc. Je peux claquer ma régène. La même. Je sais même pas quand est-ce qu'il va faire l'intermission. J'en ai plus besoin que toi. Ouais, c'est vrai. Juste après ça, je vais le faire. Ah, ok, 40%. Oh, bah là, je régène moi. J'arrive. Elle esquivait bien, esquivait bien les pièges surtout les gars. C'était pas malin ça. De quoi? Bah Keiko qui m'a grippe. Ouais, y a pas réellement besoin de se presser pour des. Il faudra le dire. Ouais. Par contre, faites attention si jamais vous voyez des copains qui ont un ZZ sur la tête vert, essayez de pas les grippe ou autre. C'est qu'on est en train de régène. Ah, il a. Ah, bon, go cut alors. Shadow, t'es mort où? Attendez avant de cut. J'ai pris un bump. Attendez avant de le cut. Ah, bah, je peux pas remonter, super. Ouais, tant pis. Je tombe au milieu en fait. Il faut attendre qu'il y ait tout le monde a priori parce que. Belle, ouais, belle. T'es morte de quoi, Renaissance? J'ai pris un bump. Ah, pardon. De rien? De rien, je m'étais en train de vous rejoindre. Donc, il faut. Ok. Donc voilà, donc il faut attendre les gars. Allez. On fait pareil, je te laisse stacker cette fille. Je vais essayer de te raise. Reste pas de suite, hein. Je te lance, mais tu restes pas. Allez, vas-y. Donc les ads, c'est aléatoire, c'est pas obligatoirement un mastodonte qui va pop. Hein. Bah, c'est un myrmidon, justement, une sorcière. Allez, vous pouvez les ads. Super. Bourrer le boss en fait. Boss, ouais, c'est débile. Donc faudra savoir ça. Du coup c'est cool, entre guillemets, bon c'est dommage que tu sois morte à Renaissance, mais en attendant ça nous a permis de voir un truc. C'est que du coup bah, il faut vraiment attendre que tout le monde soit en bas avant de cut, sinon on tue les copains. Sur lui j'ai dit que j'avais. Ah oui, le bijou. Le bijou a l'air d'être intéressant. Après, je l'ai eu. Ah, yes. Ah, il est où? Kota, tu devais pas me donner quelque chose tout à l'heure? Demander quoi? Me donner. T'as donné quelque chose? Ouais, des gants, je crois. Et t'as dit que tu les donnais à taille. Et merde. Et les LQE, tu les oublies. Mais maman. Bon, à partir de là, on va voir si vous êtes. Comment dire? Si vous savez respecter des ordres. Si vous savez pas respecter des ordres, on passera pas le boss. C'est aussi simple que ça. Bon, peut-être pas en normal. Les rounds... Tous les rounds, c'est pour le draper?
Ouais, mais Shadow, il peut pas cote non plus. C'est de la maille cote. Bah si. Et... En tout cas, ouais, c'est. Mais non, c'est du dos. Ah oui, c'est la cape. C'est un dos. Ah. Oh putain. Ah, du coup, c'est pour cocotte. Moi j'ai ma cape aussi là, je n'ai pas. Bah, Link là. Du coup, sinon ma cape, donc c'est Spookies. Un petit fail click sur les rows, désolé. J'ai fait 65. Ah, oh, zut. Ça, il y en a deux, hein. Ah, il y avait Renaissance aussi, du coup. C'est de plus haut, non? Ah, mais Renaissance, elle avait pas vu avant. Non, je sais pas, c'est bien. Non, mais arrêtez de rendre, là. Il y en a deux. Bah oui, bah justement. Eh ouais. Ah, du coup, je te laisse regarder qui c'est. Et du coup, a priori, c'est Kaiko et Renaissance, c'est ça? C'est ça? Coach, il avait fait combien? 65. Ok, moi je donne la Renaissance. Après, quoi, t'as du 400 et Kaiko, non? Elle a du 415. Donc à voir. Et qui a du 415? Kaiko. Vous voulez cliner de côté pour les trash? Ah, bah j'ai un truc pour le laboratoire. Poule tout. Ah bah je crois qu'il est parti pour le crawler. Ah bah de toute façon il faut pas lui dire deux fois. Hein. Ouais, j'ai cru comprendre. Ouais. Ah oui, crawler, c'est ça démarre au quart de tour. Hein. Ah non, mais tant mieux comme ça. Moi il va plus vite que moi en tout cas, c'est sûr. Ah bah le double dash. Ouais, et puis moi j'ai des cas et c'est un DH, alors on joue tout de suite pas dans le même jeu. Ah mais Crollo, c'est le tank fou. À Dazar alors on lui dit de pas prendre les boules au début, puis il nous tue le raid quoi. Hein Crollo? Ah c'est gratuit pas. Il prend bien mon Crollo. Ouais, merci Crollo. C'est bon ça, GG Crollo. Allez, y a un cochon, viens. Encore une cape. Ils étaient pas deux tout à l'heure en idiot. C'est pas la même. Moi j'ai donné la Renaissance. Et moi faut que je la donne à qui? S'ils mettent toujours les mêmes stats. C'est Kaiko. Kaiko, ok. Je te le passe quand on est devant le boss, hein. Parce que là on est en combat. En fait, sur les trash, ils savent mettre que de la polyvalence, quoi. Akota, j'avais un message pour toi de la part de Xylor. Il faut que tu cibles Ashara en haut et que tu lui craches dessus. Par contre, je sais pas s'il faut rester au centre. Je sais pas, il avait envie. Il doit y avoir un truc genre ça te tue si tu lui craches dessus, genre... Il y en a beaucoup qui font deux fois la même attaque. Je confirme, ça tonne cher. Ah bah GG hein. Vas-y Kota, tu veux le faire vite fait? Ça fait dégoût de la reine. Votre comportement à la cour inspire un profond dégoût à la reine. Elle décide de vous tuer sur le champ pour vous punir. Ouais, le temps de verse. Et c'est même pas un l'éruption stellaire à la suite. 5 millions 8. Ils auraient pu mettre un. Non mais c'est pas pour. Non mais c'est. Ça va être sur le combat. Est-ce que habituellement dans vos cycles vous avez deux fois le même sort? Oui. Vous allez apprendre à utiliser un autre sort. Bah bien sûr. Et encore un combat pour les moines. Allez. Ah contre. Donc c'est pas encore. En gros, enfin, je vais vous expliquer après. Mais... Bah, en fait, c'est soit ça. Si vous utilisez deux fois le même sort, en fait, pendant 3-4 secondes, vous allez être stun, tout simplement. En 5 secondes, pardon. C'est...
C'est radical. Ça c'est quoi? Attends, je le retrouve plus. Non, c'est 2 secondes, t'es pacifié pendant 2 secondes, donc en gros tu peux rien faire quoi. Ah, mais c'est radical quand même. Ah bah ouais. En gros, donc je vais vous donner les décrets comme ça, tranquille. Par contre, aïe. Par contre, aïe. J'ai pris une tarte là. Non mais j'étais glaçon et je sais pas ce qui s'est passé. C'est des buffs ça. Non, alors, il y en a. En gros, il y aura 5 décrets. Donc le premier c'est information. Donc il y aura des zones à soc, il suffit d'aller les soc. Pas très compliqué. Il y aura 3, par contre c'est 3 zones à la suite. D'accord. Donc ça c'est les boss. Voilà. Les poules pas. Répétition de la performance, donc ne pas utiliser deux fois la même compétence. Sinon donc pendant 2 secondes de pacifier. Isolez-vous, c'est être écarté de tout le monde. Peine à journée, il faudra se déplacer toutes les 3-4 secondes pour faire péter à petit les dégâts sur nous. Si jamais vous restez sur place et que le debuff prend fin, vous prenez 10 fois les montants de vos PV. Voilà. Bah t'es one shot quoi. Voilà. Et le dernier, le plus relou en fait, c'est obéissez ou souffrez. Et en gros, tous les joueurs qui seront touchés et qui prennent des dégâts sont insensibles aux soins pendant 5 secondes. Voilà, ça c'est le plus dur pour les heals. C'est là où on risque d'avoir peut-être besoin d'un 4ème heal, etc. Voilà. Et ça, c'est les décrets, c'est toutes les 45 secondes. Voilà. Ensuite, du coup, les ADS, il faudra se les échanger, les tanks. Il faudra qu'ils soient des packs. Voilà. Si jamais donc la femme fait monter les stacks à 10 d'un tank, le tank est MC. Les noms des trucs, ouais. Information, répétition de la performance. Isolez-vous, peine à journée. Autour de vous, en fait. Et obéissez ou souffrez. Regardez, vous les avez autour de vous, tout autour de la salle. Voilà. C'est les pylônes. Du coup, les boss. Il faudra, contrairement aux jets de feu, les tuer en même temps. Ou du moins plus ou moins en même temps. Voilà. De temps en temps, il va y avoir donc des étincelles qui vont pop. Alors, a priori, de ce que j'ai compris, elles vont pop une par ici, une par là, et une par là. Si jamais vous vous rappelez du botaniste au palais Sacre Nuit, il y avait des spores, une fois qu'on les tuait, boum, ça faisait un debuff, et après il fallait tuer la seconde, etc., etc. Ça va être la même chose. En gros, c'est DPS l'étincelle, attendre que le debuff parte, tuer la seconde étincelle, etc., etc. Voilà. Ensuite, le boss, le mec là, j'ai pas son nom, Silivaz, fera une grosse AOE sur tout le raid, mais il y aura une bulle pour se protéger, donc on pourra aller dans la bulle, etc. On prendra moins cher. Cependant, il faudra toujours pas oublier qu'il y aura les décrets en même temps, donc des fois il faudra être écarté de tout le monde et tout, donc faites vraiment attention à tout ça. Puis voilà, après c'est des trucs tout basiques avec rester assez loin de tout le monde, surtout être loin pour mettre les AOE en dehors du milieu de la salle. En gros, il y a une personne qui sera ciblée par une charge. Il faudra faire comme le mastodonte de Rastakhan, c'est-à-dire tout le monde paquet pour pour partager les dégâts, etc., etc. Quoi. Voilà, après c'est tout simple. La femme, il faudra toujours être le plus loin possible d'elle pour prendre le moins de dégâts possible. Et tous ceux qui auront un marteau style, je sais pas comment ça s'appelle en paladin, il y a un marteau qui descend petit à petit sur la tête. Si ces gens ont ça sur la tête, vous vous écartez de tout le monde. Et puis voilà. Et c'est parti. Yahoo. Ah non, c'est pas mal. Quoi tu me dis? Waouh! Je viens de m'en prendre plein la gueule en l'espace de 2 secondes. Il a bugué, il a plugué. On doit focus qui en premier en fait? On va dire Silivaz et puis à chaque fois qu'il y a un. Et on reste du côté gauche, on fait toujours parce qu'ils vont s'échanger le boss, donc du coup à chaque fois que le boss change, faut les équilibrer, faut qu'ils c'est ça. Oh le con. C'est ça. Non mais en gros on commence par Silivaz, puis après ils s'échangent le boss, on passe sur l'autre, etc., etc. Quoi. Dis-lui que je peux mettre des. D'ailleurs ça me fait penser que, pardon,
j'ai oublié de faire le truc. Si je résume les switches, on va taper tout le temps la cible par exemple de Crollo ou tout le temps la cible de. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. D'ailleurs, désolé. Ouais, tout à fait. Désolé les tanks, j'avais oublié de faire le truc important. Je vous ai mis assistance, c'est bon. Ah bravo! J'ai dit, il fallait le dire si tu voulais pas très à beau, trou du cul. Du coup, c'est bon, Cote? Non? Ah là là. Bah, c'est parce que tu n'as pas fait l'annulation en fait. Tu peux annuler et choisir. Je te donnerai des cours. Ah là là. Non mais j'ai compris, hein, tu veux plus me soutenir, hein, ça va, y a pas de souci. Je le prends bien. Donc c'est là que les choses commencent à se corser. Bon après en normal je sais pas trop, mais c'est là où on commence à avoir des vrais fights en fait. Hein, d'après ce que j'ai vu. Allô. 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 Ouais, ah c'est bon, c'est bon. Ok, désolé. Du coup c'est bon, t'es prêt? Ouais, ouais. Allez, bon, on est parti alors. Cinq, quatre, trois, deux, un. Après, c'est, je sais plus combien de mètres qu'il faut laisser se passer, mais si tu pouvais essayer de les mettre entre le carré et la lune dessus, comme ça, les étincelles, elles pop sur les boss de suite. Comment ça se passait? Sont pas du tout comme j'ai pensé. Ok. On fait d'abord la losange. Hein. Ensuite, on ira sur celle du cercle. Par contre, il faut pas qu'elle tombe en même temps. Ok. Il faut se paquer dans les zones, dans les socles. Ok. Il va y en avoir encore. Hein. On va switch les boss. C'est parti. Ouais. Soc. Il va y en avoir encore. Attendez avant l'étincelle. Ah non, on n'a pas le debuff. Hein. Ok, soc. Mal. Ça fait très mal. Allez. Ok. On va vers le là où il y a la bulle. Il faut se paquer. Et on retourne sur la croix. On reste sur la croix pour l'instant. On essaye de. A priori, ça va être répétition de la performance le prochain. Écartez-vous de la zone. Ça dure encore 10 secondes, les gars. Allez, c'est fini. Que le prochain ça va être isolez-vous, on va devoir être écarté de tout le monde. Si j'ai bien compris le truc. Ouais, tu dois vraiment jouer le jeu, apparemment ça passe. Ouais. Restez bien écarté de tout le monde, vous avez un cercle autour de vous. Restez sur la. Restez sur la femme, hein. Et il faut se paquer. Et il faut. Tiens, faut pas vite. Ah mais on peut pas se paquer. Il faut ah oui, il faut spa. On était que deux. Allez, spaquer sur moi. Ouais, ouais. On était que deux. Non, mais c'est spaquer. Mais... Vas-y, je te raise. Go, Hank. Restez sur la mage, la femme, pardon. Elle est trop basse encore. Ok, on spack. Sur Belly, sur Belly, sur Belly. Et on fait l'étincelle à côté de là où on vient d'être chargé. Et on s'écarte du cercle.
J'ai pas vu lequel c'est qu'il va y avoir. Je prends qui? Je vais voir le verdict. Peine à journée, je sais plus lequel c'est. Faut pas bouger. Il faut bouger, mais petit à petit. What? Ah, le verdict, putain. Déclorez et up, Gomorez. C'est OBIC, donc là à chaque fois on va plus pouvoir vous heal. À chaque fois vous prenez des dégâts. Touche pas, je l'écarte, je me... J'ai pas trop d'eau. Faut soak hein, les amis. J'ai pas vu la charge là. Et puis on a pas balancé la belle au coup. Oui, puis elle est partie sans le vouloir, désolé. Ouais. T'as l'énerve. Merci. Charge. Ah, t'es où? Ah, faut soc. C'est ma faute, pardon. MC, ok, wipe. Ah non, mais wipe. Ouais, il va falloir qu'on... Du coup, c'est un peu la merde, du coup, de... Enfin, je sais pas, il faut voir combien ça fait de dégâts si on soque et qu'on doit être isolé de tout le monde. Tout seul, t'es pas arrivé, sinon c'est annulé. Pour les zones dans la bulle là où faut à la fois être éloigné et sous la bulle, pourquoi on fait pas un peu comme Kragoa? C'est fin sur le conseil là. Ouais, il faut être tous, il faut tous être écartés, tu peux pas te paquer en fait. Donc, oui, mais le truc c'est que quand t'as le machin autour de toi et que t'es obligé d'aller en dessous aussi, il faut s'éloigner quoi. Moi on m'a pas laissé passer. Mais tu passes à travers, c'est pas grave. Ouais, bah, c'est on a un automarteau? D'ailleurs, je crois qu'il va falloir en créer plein des automarteaux. Il y en a là, on va poser. À droite, ouais. À droite, il y a un automarteau sur le losange. Merci. Ah oui, non, le fight est sympa. On va se faire une BL au pool, je pense. Et après, on reste sur le Silivaz, et après, bon, on reste bien sur la mage le temps de rattraper, quoi. Et puis voilà. Il se passe quoi sur l'enturé et pas l'autre? Pardon? Il se passe quoi sur l'enturé et pas l'autre? Il gagne, je sais plus quoi, mesure désespérée, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, ils font ça. En gros, on a quelques secondes quoi. Après, je sais pas combien de temps ça dure, tu vois, mais sinon il se régène un peu comme le premier boss du creuset quoi. Allez, on est parti. Belle au poulet. 5, ouais, 4, 3, 2, 1. Je sais pas s'il y en a qu'un seul qui doit le faire ou pas. Ouais, mais bon, vaut mieux le faire que être trop que pas assez de temps, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Que là, quand t'as été tout seul, moi je pouvais pas y aller. Non, non, je parle pas de la charge, je parle des socs quand tu dois. Non, normalement seul tu peux. Oh.
Du coup, les étincelles, vous pouvez les péter comme vous voulez, on n'a pas de debuff. Hein. Allez, on se pack. Enfin, on sort du moins. On peut être seul dans la zone à soc. Et on reste sur la mage pendant un petit temps. Faut aller vers le boss, il va y avoir la zone à eux. Du coup, je me demande s'il faudrait pas inverser le départ des boss. Charge, viens en pack. Ah, tu as ice block, ok. N'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Bien joué. Très intelligent. Mm-hmm. Allez, on retourne sur le crâne. Ah, mais on est déjà. On est sur le. Celle qui double le truc. Hein. Oui, je sais. Régène 50 à 100. Charge. Tu la prends solo ? Ok. N'y allez pas. Restez sur la femme jusqu'à 50% et on retournera sur Silivaz après. Étincelle, les gars. Il en reste 2. J'ai l'impression qu'on prend quand même plus cher. Ok, on est tous écartés. Et on va devoir rentrer dans Silivaz, je pense. Et on doit se packer sur Renaissance. Non, je peux pas. Ok, mettez-vous bien tout autour, les gars. Bien tout autour. Allez, c'est bon. Ma race, je prends cher. Mm-hmm. Go sur Siliva. Ouais, restez un peu sur. Ouais, restez à 40% sur la femme. Et après, passez sur la croix. Une fois à 40. Là, on fait un retour. Charge. Comme si on était en Allez, étincelle. Allez, go Silivaz, on passe sur Silivaz. Il y a deux étincelles encore, les gars. Je tranquille. Allez, faites gaffe, bougez un petit peu. Pour la peine à journée. Mais pas trop, hein, faites gaffe à vos PV. Ok. Ok, c'était le plus fort qu'on vient de passer. On a un reste de dispo. Ouais. On est bien, on est. Obéissez ou souffrez, c'est lequel suivant. Ah oui, il faut pas cibler de dégâts, il faut se mettre dans la zone. Ouais. Tenez bon. Ah merde, trop tard. Ouch. T'es une énerve. Merci beaucoup. Et si tu me la demandes pas, je peux pas l'avoir. Ah, étincelle. Oh, du coup, ça a tout bugué. Du coup, c'est bizarre. Pack.
Sok. Il y en a une qui est horriblement mal passée. Ça va être compliqué là, les Sok. Hein. Il en restera encore un. Je garde res pour les tanks. J'ai fait une bêtise, je garde les res pour les tanks au cas où. Allez, charge. Sur Easy, il faut vite se paquer. Pour équilibrer les PV. Ouais, passer sur le crâne. Ouais, c'est compliqué parce qu'il faut rentrer dans la zone. Et le crâne d'abord. Stop l'autre. Ok, on est pareil. Essayez de bien équilibrer, ça ira. Pas deux fois le même sort. Le mec, go sur le mec. Charge. Allez, c'est bon, vous pouvez bourrer. Oh putain. Attendez, stop, stop le mec. Hein. On a 30 secondes de casse, je crois. Ouais, on va voir, tiens. 15 secondes. Ouais, c'est ça. 15 secondes, GG. Bon, par contre, j'ai un putain de bug sur le recoot. Quand les gens peuvent plus être heal, ça a tout niqué. Il est vachement cool ce combat. Ouais. GG Bortan. Merci. Ah ouais, 425. Cochon. Ah ouais, petit cochon. Mmh. Encore du reliquaire. Ah, mais ça vaut pas le 450 que j'ai vu tout à l'heure quand même. J'ai du chemin à faire. Bon, c'est écart, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, le clean, là. On peut faire un rail ou deux. Allez, go nettoyer, c'est le premier soir. Il reste deux boss, autant tenter de le nettoyer du soir. Il reste deux non. boss. Ouais, il reste deux boss. Il reste Lucky et la reine. Ouais, bon, on peut arrêter là, on fait ça lundi. On peut aller... Je pensais rester un boss, moi. Non. On peut tenter de nettoyer. Hein, ouais, mais déjà, Zakul, il va être rigolo aussi. Non, il y en a qui bossent demain, à mon avis. C'est ça. Non, mais on peut faire les trash au pire, pour on sait jamais. Allez, on avance et on voit à quelle heure on tombe sur le boss. Voilà. On va faire ça. En soi, il reste deux boss. Je sais pas combien de temps on va passer. Ah d'accord, direct, machin. Ah, par contre, les dispel pas tous ensemble. J'ai oublié de le dire. C'est ce qui va se passer sur le boss, d'ailleurs. On s'en est rendu compte, en fait. Voilà. Il faudra pas dispel tout en même temps. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en décalé ce soir. Ah, si normalement, si tout le monde s'est renseigné. Crolo. Hey, Easy. Hein? Non, on ne va pas pour le. T'as pas regardé jusqu'à ce boss là, c'est genre. Mais j'ai rien regardé pour être honnête. Faut pas dire, mais moi aussi. Toi tu mens parce que t'as regardé des trucs. Bah, c'est tout. Non, t'as regardé des trucs. Non, j'ai regardé 4 fois les boss, c'est tout. Et oui, si jamais il y aura des locks ce soir, n'oubliez pas, hein, toujours pareil. J'ai même plus besoin d'y penser, ça prend auto. Donc. Mamie, j'espère que tu vas me taper sur les doigts. T'as tout compris. En tant que off, t'es censé quand même montrer le bon exemple. Oh oui, t'as pas lu sur les doigts. Alors pour la peine, tu devras donner 10 KPO à la totalité de ceux qui sont présents en raid ce soir. Va te faire foutre. Voilà, tout le monde aura gagné ce soir. Ça vient du fond du cœur. Là, tu vois, ça vient du fond du cœur. Mais alors, va te faire foutre. Tu vois, c'est. Ça fait tellement plaisir à le dire en plus. Non, en soi, par contre. Je pense qu'on peut, il y a aucun problème, même si on rate des loot lundi, si jamais on part sur des premiers HM, si jamais vous avez la possibilité de claquer votre ID HM. Faudra dire au boss que je suis pas tank. Non, on le claque pas. Hein.
Bah, on y va lundi, hein. C'est pas dit. Mais si. Ah, encore, tu me dirais que. Je sais pas, je suis interdit de raid lundi, bon. Oui, non, mais ça. Les zones, ça fait quoi si on marche les dessus zones, après en fait, il faut les faire péter à l'extérieur, tu vois. Quoi si on marche dessus après? Ben après, c'est. On prend. Bah, je sais pas, je marche dessus, je prends pas de dégâts. Ah, mais tu prends pas un debuff? Justement, j'ai voulu essayer de voir, mais il y avait rien. Attends, la zone, là-bas, y en a. Y'a que les heals qui mais par contre, dessus parce que nous, quand on marche dessus, ça. Ça ouais, marche. En fait, c'est les heals qui dansent tous. Ouais, ouais. Moi, je peux pas. Hein. Ah, non stylé, des dégâts? Non, ça me fait des dégâts. Oh, je sais pas. Tu dois avoir un buff spécial ou un truc comme ça. Pas possible, j'ai pas fait gaffe. Ouais, ça fait des DPS, ça fait des dégâts. Hein. Mm-hmm. Ouais, non, mais la première fois ça me faisait rien, mais la seconde fois, effectivement, ça m'a fait des dégâts. Alors, peut-être que j'avais, justement, comme il dit, un debuff qui permettait de prendre des. Par contre, une chier d'AD, waouh! Ouais. Oh, mais ça va encore, ils se font bien les trash. Ouais, par contre, là c'était obligé. Faut quand même dispel. Hein. Ah, mais bon. Parce que s'ils arrivent à expiration tous en même temps, ça revient au même que tout dispel d'un coup. Par contre, effectivement, là, vu que je vois qu'il y a 4 debuffs, j'ai peur que sur le boss aussi. Et du coup, c'est là que ça va sonner le glas pour ce soir. Quoi, il va enfin y avoir de la difficulté. Non, pas de difficulté. C'est vrai que pour le coup, tu vois, je pensais que ça allait être plus important que ça, le boss précédent. Bon, il est sympa, hein. Il va être sympa en héroïque. D'ailleurs, le boss précédent, il me fait penser au Kratosseur, tu sais, qu'il y avait sur Arbus. À quoi le raid des casseurs, là. Le commandement Toréen, ou un truc comme ça. Ouais, ouais, non, les Shivara. Les Shivara, voilà. Parce qu'en fait, voilà, il y avait des dots réguliers à gérer. C'est un peu la même mécanique. Hein. C'est pas sérieux. Oh, ces dots-là, c'est affreux, hein. Ouais. On a défoncé un boss de raid. À l'entrée du boss. Ce qui est marrant, bon après en normal c'est encore assez simple bien sûr, hein. C'est sur Ashara, après je sais pas si en HM sur le boss qu'on vient de faire, ça sera le cas aussi ou en mythique, mais sur Ashara il y a un truc qui va, comment dire, il y aura des décrets pareil, hein. Mais en normal tout le monde aura le même décret, mais en héroïque c'est chacun aura son propre décret. Bon du coup on fait quoi? Je sais pas, allez, appel prêt pour faire un travail et sinon. Pour le découvrir et sinon on stoppe là. T'en en as deux en moins, quand même essayer. Ouais, non, de toute façon, ça sera pas plus que ça. Nous devons finir champion maintenant. Bah, ça te fait pas chier quand Shaman aille plus vite qu'un toi? Ah, bah ça a toujours été, hein. Non, on est qu'à 30% de base sur le lot. Ouais, mais j'ai pas l'aspect féral, enfin j'ai pas l'affinité farouche. Oh non, c'est pas libellule. Parce que moi du coup je suis à 20% de plus avec un talent, mais sinon... Un try sniper? Non, bah vas-y, on va arrêter dans ce cas-là, si c'est pour ça. On va pas le bloquer juste... juste pour un boss, quoi. Ouais, on bah peut le faire. Truc c'est que si on fait un try et qu'on le tombe... Il sera baisé. Oui, mais on le retombera. Oui, non mais... Bon, après, c'est pas comme un mythique où il pourra pas venir avec nous sur la suite. Quoi. Oui, ça reste normal aussi. C'est pas grave, on a bien avancé pour ce okay. Soir. On peut Allez. Très bien attendre lundi. Oui, on peut. C'est pas... Allez, raid off alors. C'est trop bas. Bonne nuit. Eh ben, en tout cas, c'était malgré tout une très bonne soirée. Je savais pas comment on allait faire de boss, parce que j'avais pas plus bonne regardé soirée. Que ça. Je pensais qu'on en ferait entre 4 et 6, ça c'est sûr. Après, plus, je savais pas, parce que au vu des juste 2 heures de raid, effectivement, ça faisait court. Donc, tout le monde s'en va, soir. On arrête ouais.
J'avais dit à peu près la même chose, 5 boss, 6 boss max, mais... Mais pour le coup, je pensais pas que les 5 premiers étaient si simples, en fait. On pourrait le clean, franchement. Ouais. Oui, oui, oui. Ça, là, c'est qu'on découvre, là, donc du coup, tu vois, la semaine prochaine, on revient, j'annonce aucune strat, quoi. Et on pull de suite, quoi. Là encore, je pense que ça va, ça a été assez vite au niveau des strats, je pense. Si c'est en NM, je te dis oui, si c'est en HM, à mon avis... Non, mais en HM, c'est autre chose. Mais de toute façon, la semaine prochaine, on sera encore sur le NM pour dire de pouvoir staff les gens qui en ont besoin. Étant donné qu'il y en a qui sont même pas encore 400. Oh, ça va, je suis passé 409 ce soir. Oh là là, il y en a qui ont augmenté 5 day level. Ouais, ouais, j'étais 4... j'ai pas pris un seul level, moi. Youhou. Ben, 5 ouais, level, non, 4. Parce que bon, 404, 94, ça va, c'est comme si j'étais à 405. Pas vraiment. Bon, je vous mets les logs. En tout cas, ouais, c'était une bonne soirée. Bonne nuit, Château. Bonne nuit. Ah, mais ça va être la galère, tout le monde veut mettre ses logs et tout, puisque c'est le premier jour de raid. Mm-hmm. Bah, ouais. Bah, de toute façon, chaque semaine, c'est la même chose. Non, non. Non, parce qu'après, t'as l'impression qu'il y a moins, que les serveurs sont moins saturés. Après, de toute façon... C'est la période des grandes vacances, il y en a qui sont pas là, et pff, ça revient là. Bah en parlant de pas là, lundi, mardi, mercredi, normalement... Normalement. Normalement. Normalement, on sera pas là lundi, mardi, mercredi. Ok. À voir. Pour mercredi soir, c'est... Lundi, c'est sûr qu'on sera pas là, et mercredi, à voir à l'heure où on rentre. Bah du coup, si jamais vous avez du temps de jeu devant vous, n'hésitez pas à claquer vos ID comme vous voulez. Mais vous avez du temps pour jouer en tout cas. Oui, vu que vous n'êtes pas là lundi. Non, mais vu que vous n'êtes pas là lundi, c'est pour ça qu'il dit ça. On ouais, voilà. Verra, ouais, dans la en fin de semaine. C'est voilà, ça, mais... On a toujours la dalmatienne qui est pleine de boutons, donc elle est un peu chiante. Ouais, du coup, sinon, pour les autres, essayez de garder votre ID le plus possible, bien sûr. Donc, comme ça, on peut. On évite de perdre, entre guillemets, des loot sur les boss. Voilà. Pour ceux qui veulent aller faire la bataille en mythique, par exemple, vous avez le droit. Oui, voilà, par exemple ça, ouais, vous pouvez. Étant donné qu'il y en a un qui m'a posé la question. Ouais, ouais, la bataille mythique, on n'y retournera pas. Enfin, dans l'immédiat. du coup, le front de guerre héroïque, non, c'est la semaine prochaine, je suppose. Bonne question. Merde. On a un Alchi là. Ça dépend. Est-ce que je peux abuser et avoir 40 ou 20 ou des herbos, peu importe. 40 Zinantides là. Je voudrais bien faire la. C'est que je veux faire le. Comment dire, je veux récupérer le rang 3 du flacon supérieur. Pas encore farmé, moi non plus, mais. Go acheter des plantes. Ah ouais, mais bon, elles coûtent cher les plantes. J'en ai mis dans la BDG. Ah mais go acheter des plantes. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, Kabou, un peu étonné de toi, mais un peu déçu. Hein. Oh, tant pis, je vais aller acheter. Mais je t'ai dit que j'en avais mis. Je m'attendais. Ouais, mais il y en a que 30, il m'en manque. Ah bah déjà prends-les. Oui, non mais j'en ai mis 16 aussi. Mais... je vais aller voir combien ça coûte à la hache, de toute façon déjà. Bon, moi après je dois aller faire des sims, donc... Je l'avais déjà dit que je devais le faire, je l'ai pas fait. Mmh. Les logs arrivent, vous inquiétez pas. C'est ouais, juste ouais, qu'il y a j'attends du... ça pour voir. C'est juste qu'il y a de la data. Bah y'a quand même 6 boss. C'est ça. Donc au final, voilà quoi. Bonne nuit Orsan. Bonne nuit à vous. En tout cas, il y a autre chose qui fait plaisir ce soir. En tout cas. C'est que... Eh ben on était plus que 10 quoi. Oui mais... c'est le début de raid. Oui, raid, après il va y avoir les vacances. C'est du HM et pour le mythique étant donné qu'il y a un...
Je vais pas dire que c'est forcément le cas pour tout le monde ou que c'est le cas à la globalité, mais il y en a certains qui veulent venir oui. en mythique à partir du moment où ça tombe. Donc si ça tombe, ça vient pas. Par contre, si ça tombe, oh bah on va venir. Il faut travailler pour que ça tombe. Bah oui. Oui, mais bon, il y en a certains qui pensent qu'ils ont pas forcément besoin de try, qu'il y avait beau faire des... Par exemple, qui faisaient des erreurs sur le... rien que sur le HM de la bataille, mais qui pensaient pouvoir faire le mythique sans trop de... Malheureusement, non, c'est pas Freeboot. Ouais, ouais. Moi, l'application de Strat, et ça, je l'avais déjà dit sur le HM, ouais, c'est que l'application de Strat en HM se fait même si le raid en soi est simple, étant donné qu'on allait partir sur le mythique, autant prendre des bonnes habitudes plutôt que devoir les reprendre sur le mythique et qu'on passe plus de temps dessus. Mais bon, tout le monde n'est pas du même avis et c'est bon, c'est pas grave, je reprendrai l'habitude sur le HM, enfin sur le mythique, là sur le HM, on s'en fout. Mais malheureusement, même ces personnes-là, même en HM, est en train de mourir. Ouais. Axana, t'as le rang 3 du coup du flacon supérieur ou pas hein mmh. Des courants. Flacon supérieur des courants. Ouais. Mmh. Si. Ah, dis pas non. Je viens de cliquer sur toi. Hop, hop, hop. Ah, moi, j'ai envie de te dire un truc, Jean. J'ai bien envie d'acheter un petit jeton pour me faire les nouveaux. Ouais, non, mais c'est surtout que... Enfin, là, je viens d'acheter les compos et tout, tu vois. Et t'es en war mode ou sans war mode? Sans. Non, mais Axana. Hein? Là ça va te faire monter comme ça, mais après il faut un peu de ça. T'es en PVP ou pas non. En fait, vu que t'as le rang 3, comment dire, tu vas me crafter mes trucs, je vais te filer les compos, d'accord. Et comme ça, si tu proc, le surplus est pour la guilde. Et vu que moi je suis que rang 2. C'est quoi la donne qui me fait ça du coup? Ah voilà. Non, pas toi. Ok, ça marche. Bah, tu veux me grouper que je... Mais faut que tu sois en war mode. Ah. Ouais, non, j'ai pas le war mode. Non, t'inquiète. Ah, ok, d'accord. Ouais, je suis là. Bon, du coup, moi, j'attendrai de raid HM, hein, parce que là... Ah, ouais, t'es pas content pour la reprise, ça s'est mal passé. Mais c'est pas ça, c'est que c'est trop simple. T'as l'impression que c'est du LFR quoi. C'est vrai que pour le coup c'est oui. passé. C'est pour ça, vous êtes en train de dire ouais, ça s'est bien passé. Ouais, c'est sûr. Ah, ça pour s'est une très reprise, bien passé. Une découverte, moi je trouve que ça va, quoi. On a fait pire. C'est du HM, c'est du NM. On a fait pire. Carmé. Non. Ouais. C'est pas une découverte, on a regardé les boss sur YouTube. Ça aurait été une découverte, on serait venu les mains dans les poches. Mais je croyais que vous n'aviez pas regardé. Oui, c'est vrai, on a regardé les strats sur YouTube. Ah, mais attends, je croyais que vous aviez pas regardé. Faut savoir, les gars. Oui, oui, non, c'est vrai, j'ai regardé les strats, moi. Moi, j'ai tout regardé en long, en large, en travers. Ah, c'est ça, oui. C'est pas genre.
J'ai tout été regardé. Ça c'est tellement faux. Pour te dire, j'ai même envoyé des messages à Dynam pour le conseiller sur les strats, hein, tellement que j'avais tout regardé en long, en large et en travers. Mm-hmm. Non, easy, la gorge profonde, ça comment? Tu le vis bien? Ouais, tranquille. Ah, oh, je vois ça. Non, mais franchement, c'est... Non, le raid, il était trop simple. Là, c'est... Enfin, c'est sûr que ça s'est très bien passé, mais c'est pas pour autant qu'il faut... Ah non, ça, pas... pour une reprise. Non, sachant mais... que la plupart des joueurs de la guilde ont largement le niveau oh, oui. de faire du HM instantané. Et c'est pour ça, à partir sur le NM et être content de la performance, franchement, oui, on peut. Parce que c'est le cas, c'est bien. Le raid est très beau, ça c'est clair, net et précis. Le raid, il est magnifique. Moi, je le kiffe au niveau visuel, c'est super. Mais là, la difficulté... Mais, ah oui, non, bien sûr, non, mais il n'y a pas d'extérieur. Autant pas la faire, en fait. Pour les strats, c'est bien. Bah, pour les strats, je suis d'accord. Mais après, comme Carmel a dit, si tout le monde regarde les strats, normalement, t'arrives, oui. tu dis... Les gens, vous faites... Enfin, vous mettez là quand il y a ça, vous mettez là quand il y a ça. Bonne nuit. Et ça, ça devrait être sur le HM. Salut Kagou. Ça devrait être sur le HM. Et c'est vrai que sur le HM. Bonne soirée tout le monde. Yo. On aurait de la difficulté. Là, honnêtement, oui. j'étais. Balik. Et oui, heureusement non. que j'ai pas regardé les strats. Parce que au final, y'a même pas besoin. Non, mais c'est clair. Non, franchement, je m'attendais à pire que ça sur les boss. Quand je voyais les trucs, quoi, quand je voyais les vidéos et tout, j'étais en mode. Ça risque d'être quand même assez compliqué pour certaines choses et tout. Et au final, plus que déçu au final mais de certains boss. Quoi. On rappelle, le normal, oui, c'est du NM. C'est la difficulté LFR de guild en fait. Il y a plus vraiment ouais. de difficulté, c'est juste pour avoir la base du raid et la base de l'encounter. Genre, tu le fais une fois, tu vois ouais, ce que ça donne, compris, et ensuite tu rajoutes la difficulté derrière. Mais le truc, c'est pas ça, c'est que quand tu compares par exemple, je parle pas de le dire parce que c'est on a commencé à le dire. On était 330, donc on a mis du, c'était compliqué quoi pour le raid quoi. Par contre, quand on a fait bataille de Dazar alors, le premier soir, ça s'est pas passé comme ça quoi en fait. Donc, et la première semaine, on est à peine arrivé devant Mécanivel quoi. Après, t'as la hype du truc aussi, je pense. Ouais, après là en soi, bon, on n'est pas non plus à s'extasier, mais on est content parce que bah, du coup, ça a quand même tombé du boss et tout, on a quand même bien avancé, bah, etc. Soirée, il en reste que deux. Une soirée qui se passe comme ça, hein, bah, ça fait plaisir, ça motive pour la suite. Ouais, et puis c'était plutôt agréable, même avec l'ambiance, c'était sympa, non? Bah oui. Oui. Voilà, mais après. Ah non, mais ça y est. C'est juste simple. Ah oui, non, mais on a. De toute façon, tout ce que tu sais faire, c'est casser les couilles là, c'est bon. Non, mais en soi, effectivement, franchement, je t'avoue que si on devait comparer, par exemple, Bataille de Dazar alors et le Palais Éternel, il n'y a pas photo. Bataille de Dazar alors est quand même plus compliqué, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que ça reste du. Si on compare le normal, hein, bien sûr. Et. Plus compliqué que le Palais Éternel pour moi, mais bah en soi, je te dirais oui, parce que tout simplement il y a eu moins de temps entre la sortie du premier raid et du deuxième raid ouais. que la sortie du deuxième autre, c'est vrai. Sachant qu'ils ont changé pas mal de choses par rapport à des problèmes qu'il pouvait y avoir sur les classes, ils ont sorti un sort supplémentaire, ça oui. faut pas l'oublier, tout à fait, et qui up quand même énormément le truc. Et que bon, ils ont peut-être pas augmenter la difficulté des raids comme il l'avait non. fait par rapport à la base. Ou alors c'est comme on l'a remarqué en fait, vu qu'on a avancé quand même dans le mythique malgré tout, qu'on a quand même fait trois boss etc, c'est que tout le monde a bien comment dire, avancé au niveau de ses capacités, au niveau du en termes de jeu et tout, et du coup c'est pour ça que ça devient beaucoup plus simple pour nous le normal aussi hein. C'est oui voilà. oui totalement, ça y joue, ça c'est clair et net. En soi, voilà, là, il y avait juste des trucs qu'il fallait bien prendre en compte, tu vois, par exemple, comme le poisson dans l'eau, là, bon, bah, là, le premier coup, c'est qu'il y a trop de morts. J'en ai 12 de fleurs sur moi, putain. Bah, c'est surtout au niveau des poissons à tuer, ouais, voilà, qui sont là où il faut bien le faire, mais mis à part ça, même non, le après, non, mais voilà, c'était juste de bien le gérer, de bien comprendre la mécanique et tout, et puis voilà. Après, l'autre qu'on est mort, ah bah, c'est le dernier, du coup. C'est encore, c'est un boss voilà, qui commence entre guillemets à être compliqué, enfin, petit peu, tout petit peu.
Il y a un semblant de strat sur le. Il y a un semblant de strat. Mais par contre, il faudra qu'on vérifie un truc. Enfin, vérifier, je sais pas comment on va pouvoir voir. Parce que je sais pas si vous avez quand même remarqué. Je vous disais, ouais, go péter les étincelles, il n'y a aucun problème et tout. Parce qu'on voyait pas le debuff. Mais par contre, quand on tuait la première étincelle, on prenait très peu de dégâts. Par contre, quand on les tuait toutes à la suite, après, derrière, eh ben, on prenait quand même plus cher à chaque fois. Donc j'avais l'impression qu'au final, c'était juste un debuff qu'on voyait pas. Et que Blizzard a tenté de nous la mettre, quoi. Ou alors c'est qu'on prenait autre chose à côté. Je sais pas vous, ce que vous avez ressenti. C'est simplement qu'il y a un bug d'affichage. Ouais, voilà. Ou un bug d'affichage, tout à fait. Et du coup, j'étais en mode, effectivement, c'est bizarre, on prend cher quand même. Par contre, pareil sur ce boss, je pense que la semaine prochaine, on changera l'ordre et on commencera par la femme. Pour à la fin de la BL, on passe sur l'homme, parce que justement, vu qu'il fait sa bulle, c'est un peu con d'être sur la femme au moment où il fait sa bulle au début. Voilà. Parce que ça a l'air d'être prédéterminé, en fait. Hein. Du après, moins si en normal. Tu préfères être sur un homme, Jean, c'est ton problème. Fais ce que tu veux, hein, t'es assez grand. Oh, ouais, puis on joue un cabou, quoi. Putain, ça vient du fond du cœur, ça aussi. Ah, par contre, le dernier boss, il va être rigolo. Enfin, le prochain boss, il va être rigolo, la Zakul. Il y a 4 phases. Les 3 premières phases, elles s'enchaînent en 50%. Et la dernière phase, elle fait 50% 0 et t'as toutes les P1, 2, 3 mélangées. Ouais. Ça va être bien marrant. Ça va être bon, ouais. Après, voilà, sur le papier, c'est censé être compliqué. Et puis au final, en normal, ça peut être trop simple en fait. Donc à voir. Hey, Izzy, ça te vient un petit farm deal? Allez. Mais tu me casses les couilles avec tes farm deals, toi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à demain ou à plus tard. Ouais. Bye. Bye. Moi, je vais couper le stream là avant que ça commence à partir en couille. Et bonnes vacances, Renaissance. Si jamais on se voit pas. Allez, bonne nuit. À mon avis, elle est déjà plus là. Très bientôt. Tôt ou tard, tout le monde vient à moi.